Bonsoir. J'arrive tout bientôt. Et bonsoir, bonsoir à tous, salut Tony, hello hello, comment ça va les gens du React, salut Amilty, hello hello, yes yes yes, comment ça va? On est quel jour? Le 23 bientôt Noël, hein. Non on est le 22 aujourd'hui, on est quel jour? Le 22, ouais quand même, le 23 je me disais non attends demain c'est déjà le réveillon, non, comment ça va les gens? Ouais, je vais fermer Steam, voilà Steam n'a rien à faire, salut Ezra. Salut Dev Farmer, bienvenue sur le stream. Salut Baptiste, DPH, welcome. Comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Est-ce que vous avez déjà fait les cadeaux? Est-ce que vous les avez emballés aussi? Parce que les acheter, c'est une étape. Hein. Mais le plus compliqué, c'est de les emballer. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. C'est de faire des carrés ou des boîtes. Il y en a toujours, vous savez, qu'on le level. Le level, genre max. Vous savez, là, il fait un emballage... origami limite, c'est un origami son emballage, vous savez. Alors moi c'est pas ça. Non, mais... aïe 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 aïe. Ah, on va y arriver gentiment, hein, c'est Noël, fin d'année. Ça sera le dernier stream, en tout cas avant Noël. Hein. Je vais pas streamer demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Après je sais pas encore si je restreamerai avant la fin de l'année. Histoire que je vous prévienne déjà, hein. Donc profitez de ce live. Profitez de ce live, c'est le dernier. Certainement avant un moment. J'ai juste fermé 2-3 trucs qui ne sont pas importants. Paf, 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 paf. Je rouvre ça ici. Et voilà. Oula. Et voilà, voilà. Le pire, c'est emballer les fringues. Wow. Ah ouais. Les fringues, j'avais vu en tuto où en fait, ils conseillaient de justement pas les emballer en mode lambda. Enfin, c'est en mode carré, quoi. Mais de faire un sac, en fait, tu peux créer un sac avec ton papier cadeau et tu le mets dans le sac. Ouais, le magasin le fait bien. Ouais, alors ça, c'est génial quand le magasin le fait. Sauf quand t'as la queue et t'attends derrière. Sinon, c'est cool, ouais. Et du coup, ouais, faire un petit sac, en fait, c'est pas mal pour tout ce qui est genre habits, mugs ou des trucs chiants à emballer, quoi, qui sont pas carrés, boxy ou autre. C'est plutôt cool. T'es que... Alors, attends, laveur. Ah, ça doit être de Jade ou Emeraude, je pense, le vert. Yes. Alors, ce soir, on va continuer le live de hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a commencé à créer une application décentralisée, une D-App, d'app, avec React sur la blockchain Terra pour le projet qui s'appelle Horn, qui est un projet de NFT d'arbres pour l'écologie. Vous pouvez acheter un peu comme les Highland Title, pour ceux qui connaissent. C'est en fait, vous pouvez acheter des plage de terrain en Écosse et en fait vous allez payer par exemple pour avoir 30 cm sur 30 cm en Écosse de terrain à votre nom, donc vous êtes officiellement Lord ou Lady bien évidemment vu que vous avez un terrain en Écosse et ça vous permet aussi, enfin ça permet aux gens qui vendent ces terrains de en fait utiliser cet argent reçu pour entretenir les terrains, l'Écosse, etc.
Donc c'est un peu le même principe, sauf que vous allez acheter des arbres, des forêts, etc. afin d'aider l'entretien des forêts. Tu cotes la DAP du LP. Ouais. Exactement, on cote le site. On va pas lancer tout de suite, on va attendre un petit moment le temps que les gens arrivent et tout ça. Hein. Comme d'habitude, on va papoter, histoire que les gens ne loupent pas le début du stream. Il n'y a rien de pire que de louper le début du stream, parce qu'après je dois me répéter 40 fois sur ce qu'on va faire ce soir et autres. Et ça, c'est chiant. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a la rediff sur YouTube, je l'ai mise ce matin, donc vous pouvez regarder les 4 heures de live qu'on a fait. On a commencé à créer l'application et où on a papoté sur la crypto, si ça vous intéresse aussi. C'était fort sympathique et Ezra dans le chat vous envoie le lien vers le projet. Vers le projet, je vais le rajouter d'ailleurs dans le titre du stream. Voilà. Histoire de... Tac, tac. Voilà, comme ça la vie est belle. Alors j'ai normalement tout setup, voilà, regardez, ça vous expose pas les yeux, c'est déjà en dark, c'est déjà zoomé, c'est magnifique. Donc on a le projet qui est setup, il faut juste que je le lance, et on va faire ça ici, hein. Donc c'était sous Romain, je crois, et ici nous avons donc app.horn, paf, paf, ok, et on va faire un npm dev, histoire qu'on lance le code. En HTTPS bien évidemment. Donc j'ai reçu les maquettes ce matin, donc on va pouvoir faire un peu de design. Tac. Voilà. Bon, c'était pas oufissime. Et ici j'ai donc les maquettes à disposition sur du Illustrator et on va pouvoir s'amuser. Voilà. On va pouvoir récupérer les bonnes couleurs. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais que le chez moi il est... En fait, en dézoomé, il a l'air plus foncé et quand je zoome, ça a l'air d'être la même couleur. Faudrait que je pipette. Je me souviens plus de mon shortcut pour pipette. Alors, Color Picker, c'est quoi ? Windows Shift C. Ok, c'est tout ce que j'ai fait. Je les ai tous fait sauf celui-là. AFD 3CF. Et là, on est en B0 D4 CF. Ok, donc il y a bien une différence. On corrigera ça, bien évidemment. Voilà, j'ai aussi la fonte, on va pouvoir la setup et tout ça et tout ça. React ou Next, ça sera du React d'app. Ouais, d'app, ça veut dire une application décentralisée. D'où le D minuscule devant. Parce que c'est en anglais, Decentralized App. Tu as des conseils pour commencer à apprendre à développer des d'app? Pas du tout. Moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que Attendez, je cherche le bon terme. Il y a un terme pour dire ça. J'ai bouffé les repos d'app qui existaient déjà, qui étaient open source. Et j'ai appris comme ça, voilà. Donc pendant 5-6 heures, je truffais dans GitHub. Et en plus, je l'ai mal fait, hein. J'ai pas cloné le truc et j'ai regardé dans mon IDE. Non, j'étais sur GitHub et je cliquais. J'avais 30 onglets ouverts de 30 fichiers différents. Je cliquais. C'était horrible. La partie smart contract est déjà faite, Ezra. Moi, je fais que l'interface. Et l'interface et l'accès au smart contract. Le smart contract est déjà fait et déjà déployé sur le testnet. Oh, merci GraphicArt pour le raid avec tes 113. C'est marrant, c'est écrit que tu me raides avec 113, puis après que tu me raides avec 76. Je ne sais pas combien du coup tu amènes, mais merci beaucoup pour ton raid. J'espère que ça s'est bien passé pour l'écriture de ta doc. Et bienvenue à tous sur le live. Ici, on crée une application en React, une application décentralisée sur la blockchain Terra. Et on allait justement démarrer le code après ces 10 minutes de waiting screen qui sont sympathiques. Salut Stéphoui. Je sais pas si je vais réussir à répondre de cette façon. D'ailleurs, pour te répondre, Deformer et Stéphoui, le code de l'application va être mis en open source ce soir ou demain matin. Ça dépend quand j'ai les accès. Donc vous pourrez regarder, ça. Sur cette application qui est beaucoup plus légère que les grosses applications qu'il y avait qui existent. Donc par exemple l'intégration ConnectOS sur le site qui lancera la plus... c'est déjà fait, hein. Donc là pour montrer où on en était, on s'est arrêté hier, ok. On a le bouton Connect Wallet, ici on peut choisir si on veut se connecter depuis l'extension ou depuis le wallet, donc je vais dire wallet ici. Wallet donc c'est depuis le téléphone, donc ici j'ai mon extension qui est lancée. J'appuie sur le petit bouton là.
Ici, je peux. Merci beaucoup, Bronny Kluls, pour le follow. Ici, je peux scanner. Donc, on voit qu'il y a ma caméra. Je scanne le QR code. Et ici, bah, je dois dire si je veux me connecter ou pas à l'application. On peut voir les boutons en bas. Je mets Allo et je suis connecté ici automatiquement. On peut voir que j'ai ma balance qui est mise en haut à gauche déjà. Et j'ai l'adresse de mon wallet de dev qui est mise aussi ici. Donc ça, ça fonctionne déjà. En fait, je la balance, en fait, je tout ça. On a fait toute la base hier. Donc, concrètement, on a toute la connexion à la blockchain qui est prête. Et maintenant, il faut qu'on stylise un peu le truc avec les maquettes et qu'on avance au niveau des features. Donc, les fonctionnalités qu'on va faire, alors pas forcément tout ce soir, hein, c'est la fonctionnalité de swap, c'est-à-dire de l'achat et la vente du token Horn, qui est le token de ce projet. Donc là, on va pouvoir y mettre, merci beaucoup EasyKa pour le follow. Donc là, on va pouvoir y mettre soit la balance en dollars, et ça nous donnera du coup le montant qu'on aura en Horn, et l'inverse, merci beaucoup Ovanasty pour le follow. Ou l'inverse, du coup, on pourra mettre directement le nombre de Horn qu'on veut, et ça va nous calculer la balance qu'on a en dollars, etc. L'autre chose qu'on va pouvoir faire... Wow, merci beaucoup, Dame Stéphane, pour le follow. Et merci, Lior, pour les 5 subs offerts. Tu fais ça pour que je regarde le chat, hein, c'est ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Lior. Merci beaucoup. Ici, on aura aussi le système de stacking de LP. Donc ça, je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas qu'on y sera. Parce que c'est simple et compliqué à la fois de comprendre. Mais une fois que c'est compris, c'est vraiment simple. Vous verrez. Et puis ça, c'est le swap avec différentes états. Voilà, quand c'est inversé, etc. Et ça, et ça. Donc on va s'amuser. Alors je remonte un peu dans le chat. Fireship a fait une vidéo sur Gun.js pour créer des dApps. Alors je sais pas du tout ce que c'est Gun.js. Non, c'est pour accueillir les raiders. Ah, ça marche. c'est Noël. Ouh. Et à part ça, vous rigolez, mais on est bientôt à 100 subs. Hein. C'est insane. Bientôt 10% des followers de la chaîne seront des subs. Hein. C'est... avec tous les gifs que vous me faites là, c'est assez fou quoi. Il y a un bug dans ton code. Ah ouais, merde. Il faut que je regarde alors. Attendez, je regarde juste, j'ai reçu un message. Ok, alors on est parti. Donc on va faire un petit récap de l'architecture qu'on a créée hier. Et après, bah, on va se lancer hein, dans le code. Hein, si ça vous va, n'hésitez pas, comme d'habitude, c'est en live chill. Hein, c'est d'ailleurs le premier truc de mon titre de stream à chaque fois, c'est live chill. Ça veut dire que c'est en live détente, on s'énerve pas, on rigole, on papote. Le but, c'est qu'on découvre et qu'on apprenne des choses ensemble. Ou que je vous apprenne des trucs, si c'est des trucs que je connais déjà. Et qu'on s'amuse, quoi. Du coup, l'architecture qu'on a de base, donc comme j'ai dit, c'est une application React, on utilise vite afin de build en dev et en prod l'application. Merci beaucoup Trollek pour le follow. Et je vais juste changer la fonte du terminal qui, je remarque, est beaucoup trop petite. Alors attendez, terminal. Alors je sais jamais où c'est. Attendez, je vais taper fonte. Fonte. Console fonte ici, et merci beaucoup Ishin pour les 1000 bits, kilomètres de bits, autant pour moi. Tu as déjà fait ce genre d'application auparavant? Ouais, c'est déjà ma 3 ou 4ème app de ce style. Alors, on a donc de base la config vite ici, c'est un truc assez standard pour le moment. On fait 2-3 polyfills à ce niveau-là, donc c'est-à-dire qu'on va remplacer... Il faut savoir un truc, avant que je commence, en crypto, les librairies qui sont codées pour faire de la cryptographie ou autre dans l'univers JS Front, ok, il n'y en a pas beaucoup. Et concrètement, ce que les gens abusent un peu, c'est du fait que Webpack 4, etc., etc., ils vont automatiquement ajouter des polyfills de nodes dans le navigateur, hein, que ce soit les buffers, que ce soit les trucs de crypto, les streams, etc., etc. Et depuis Webpack 5, et avec Vite, c'est plus le cas. En fait, de base, vous aurez plus ces polyfills qui sont ajoutés automatiquement au build. Et du coup, ben, c'est à nous de polyfill à la main. Donc, par exemple, là, je dois polyfill process, je dois polyfill readable stream. Je dois préciser ici que je vais utiliser le bundle client. OK. Et j'ai dû polyfill deux, trois autres trucs à la main qu'on verra ici dans les polyfills afin que le code fonctionne parce que les librairies que j'utilise ont besoin de ce type de code. C'est des librairies polymorphiques qui travaillent sur comme sur le front, comme sur le back. Et j'avais besoin du coup de polyfiller ces choses. Donc la config ici, hein, je définis que c'est du React, un petit plugin qui me permet de faire des imports plus sympas. Là, j'aliasse les modules et ici, je configure simplement que mon serveur sera en HTTPS, ce qui est nécessaire pour faire des dApps. Ok.
Tu as un repo sur lequel on pourrait voir comment ça fonctionne. Alors ce repository sera open sourcé ce soir ou demain, normalement, demain matin ou ce soir. Donc je le partagerai à ce moment-là. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire un node ? Par rapport à quoi ? Parce qu'en gros, le React, là, en fait, histoire de bien que vous compreniez le principe, hein. Une application décentralisée, merci beaucoup Astaro pour le follow. Une application décentralisée, ça veut dire, comme son nom l'indique, que c'est pas centralisé quelque part. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas un serveur qui va tourner avec mon application qui est hostée dessus, comme vous pouvez le voir dans des applications traditionnelles. Mon back-end à moi, c'est la blockchain. Blockchain qui est décentralisée en lui-même. Le front-end, en l'occurrence, il va être centralisé. Le front-end, c'est mon code React. Okay. Donc on a une application React qui va aller taper dans la blockchain directement. Il n'y a pas d'API entre deux. On va taper dans la blockchain qui est une API en quelque sorte. Et du coup, c'est une application décentralisée parce que n'importe qui pourrait reprendre le code de GitHub, l'hoster lui-même, le build lui-même, etc., etc. N'importe qui peut générer un front-end qui va taper dans cette API. Okay. Et donc, si je le faisais en Node, donc, ou en PHP, ou en Ruby, ou en Python, ou tous ces langages qui sont côté serveur, eh ben, le problème, c'est que ça devient centralisé. J'ai besoin d'avoir un serveur qui va faire tourner cette application. Okay. Et si c'est centralisé, ça casse tout le principe du fait que c'est censé être décentralisé. Donc c'est pour ça que là on a juste un front, un front-end, ok, donc c'est une UI sur une API en final, hein, c'est ça. Et n'importe qui pourrait construire un front-end ou récupérer le front-end que j'ai fait et l'hoster lui-même, ok. Voilà. N'hésitez pas du coup, bah, si vous avez plus de questions sur cette notion ou autre de décentralisation, etc., etc., j'y répondrai avec plaisir, hein, ou que ce soit sur les cryptos en général, si j'ai la réponse, je vous la donne avec plaisir, ou je peux vous donner mon opinion en tout cas si j'en ai un. Comme avec Mirror, non? Ouais, exactement. Bah, comme avec n'importe quelle application qui est décentralisée. Bah, par exemple, je peux vous donner des exemples tout bêtes, hein, mais Instagram, Reddit, Twitter, YouTube et tout ça, ce sont des sites qui ont des API. Okay, YouTube, Instagram, Reddit, Twitter et tout ça, ils vous offrent une interface pour y accéder. Mais sur votre téléphone, si vous allez voir, que ce soit via un Android ou un iOS, hein, vous allez sur l'App Store, eh ben, vous aurez 10 000 clients Instagram, 10 000 clients Reddit, 10 000 clients Hacker News, 10 000 clients Twitter, etc. etc. Pourquoi ? Parce que c'est une API et du coup, n'importe qui peut construire un front qui va taper dans cette API. La différence, c'est que nous ici, l'API, elle n'est pas centralisée sur un de nos serveurs, elle est centralisée dans une blockchain. Elle est décentralisée dans la blockchain. Ok ? Je ne sais pas si c'est plus clair dans votre tête ou pas. Boom. Alors du coup on a notre config vite, hein, ça c'est le truc standard. Ici on a le fichier index.html qui sera chargé de base, qui va aller dans src, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Dans tools, si jamais j'ai juste les certificats qui me permettent de faire tourner du https sur du localhost, c'est ce qu'on utilise ici dans ces deux clés ici. Ok, ça c'est vite qui gère, hein, c'est pas moi, j'ai fait un mkcert et c'est réglé. Donc ici dans SRC, c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est là où on a une structure un peu plus précise, je vais tirer un peu comme ça vous voyez, il n'y a pas ma caméra devant. On voit qu'on charge le index.js, donc ça c'est un fichier qui va me charger les polyfills, et une fois qu'il les a chargés, il va me charger mon application. Hein. Voilà, c'est un truc assez basique, les polyfills concrètement, je polyfill buffer, je polyfill process, et je les stocke dans Windows, comme ça c'est en global. Là pareil aussi, je dis que window.global est égal à window parce que y a des scripts qui font global point quelque chose, ce qui est légitime, hein, et du coup ben c'est vite que ça plante. Ok, une fois que c'est fait, on va charger le main, et c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est là où on commence à créer une application React. Ok, donc là on charge React, React DOM et application qui est le main, qui est le composant qui va gérer toute l'application au final, hein, donc ça c'est un truc standard, hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Merci beaucoup Jérém de Tol, merci beaucoup pour le follow en tout cas. Truc standard, donc là on va ouvrir application, et c'est là où ça va, on va avoir un peu plus d'informations sur l'application React. Donc là on peut voir que je charge différentes choses, je charge premièrement le routeur qui est fait avec React Router DOM version 6, ok. Je charge ici une en hook qui est fournie par une librairie de TerraMoney, qui est l'entreprise qui gère, enfin qui a créé la blockchain. Donc c'est un SDK tout simplement pour pouvoir plus facilement en React communiquer avec les wallets et envoyer différentes transactions dans la blockchain. Puis par la suite, alors là vous pouvez voir que j'ai des imports qui sont différents, c'est grâce au plugin Vite que j'ai
je vous ai dit que j'avais installé au début. Ok, ça permet de faciliter un peu les imports. Ça nous évite de faire des /. Je pourrais le configurer comme ça, etc. Moi, je mets juste à la racine. Tout part de source et je peux importer tranquillement mes composants. Donc, qu'est-ce que j'importe? J'importe en app provider. Donc, ça, c'est un provider. J'aime bien mettre en fait toute ma configuration, tous mes providers externes dedans, histoire que mon code à moi soit un peu plus clean au niveau du root. Donc là, j'ai un app provider. On peut voir que je lui envoie les chain options. Et après, ben, j'ai simplement mon header et le début de mes routes. Okay, donc là, c'est vraiment tout le truc vraiment basique. Hein. Basique, basique. Si on regarde ma page ici, pour moi, il y a juste un hello world. Et c'est ce qu'on voit si j'ouvre ici la page. On peut voir que j'ai juste un hello world. Attendez, je remarque que j'ai un deuxième truc ouvert. Ok, okay, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit configuration app ici? Alors là, ça va être un peu plus gros. Hein, parce que c'est là où je vais essayer de foutre tous mes providers externes. Et là, vous pouvez déjà voir qu'il y en a 3. Comment tu fais pour héberger une API sur la blockchain? En fait, tu héberges pas une API, tu vas écrire un code source qui est dans un langage, hein, par exemple Solidity sur Ethereum, sur Terra c'est plutôt du Rust avec le SDK Cosmo Wasm. Donc ça va être compilé après en Wasm et ça va donner un binaire en fait. Et le binaire, tu vas tout simplement le déployer sur la blockchain. Donc tu vas en fait faire une transaction qui va déployer ton code sur la blockchain et là ça va te donner une adresse, ok? Une adresse comme l'adresse que tu peux voir affichée là-haut, ça va te donner une adresse. Et quand tu vas aller appeler cette adresse, eh ben en fait, ça va appeler ton code source, tout simplement. Ton code source qui a été déployé auparavant. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Ben, je crée un query client parce qu'on utilise React Query dans ce projet afin de faire les différentes queries. Je patch ici la fonction de refocus parce que React Query, il y a un truc qui est bien et chiant à la fois, c'est que chaque fois que vous perdez le focus et que vous regagnez le focus sur votre site, ça va automatiquement remettre à jour tout le cache pour les variables qui, enfin pour les requêtes qui ne sont pas stale, enfin qui sont stale. Enfin, qui ont, enfin bref, qui sont invalidés, on va dire. Ce qui est assez chiant quand vous avez les DevTools open, parce que dès que vous cliquez sur les DevTools et vous recliquez dans votre app, ça va recharger tout. Vous faites un peu du DDoS sur votre propre site. Donc le patch, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie qu'il y a au moins une minute d'écart entre le dernier focus afin de refetch les données. Donc si vous partez et vous revenez une minute après, il va recharger. Sinon, il ne recharge pas, parce qu'il considère que vous êtes toujours actif. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On instancie un wallet provider, donc ça à nouveau c'est fourni par Terra, ça nous permet de communiquer avec le wallet qui est une extension ou le téléphone comme on l'a vu avant. Et par la suite j'ai le browser router, donc ça c'est le provider pour le router, le query client provider qui est le provider pour React Query. Et ici j'ai le petit horn provider, c'est le mien, et merci beaucoup Jursac pour le follow. C'est le mien, et lui qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il me crée un client qui dépend du network, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que là, dans la blockchain, on parle souvent d'argent, ok? Et donc, on va tester des endpoints. Et le but, c'est comme en dev normal, on est une production et un environnement de dev. Parce qu'on ne va pas utiliser de la vraie argent pour tester notre code. Vous faites une erreur, vous perdez 15 000 balles, ça serait con, quoi. Donc, on a un moyen de dire si on veut taper sur la... Merci beaucoup, Mr. Salsa, pour le follow. Et on a un moyen de définir si on veut taper sur le dev ou sur la production, ok? Et comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, il y a deux blockchains déployées, une blockchain de dev, une blockchain de production. Et le principe, c'est qu'on peut sélectionner si on veut les taper sur une ou sur l'autre, mais la sélection ne se fait pas sur les applications, elle se fait au niveau du wallet. Ok. Si je vous montre ici sur le wallet que j'ai ici ouvert, et merci beaucoup DavDeloper pour le follow, ici on peut voir, je ne sais pas si on voit bien, hein, mais en haut c'est écrit testnet, et si je clique ici, je peux passer sur le mainnet. Et j'ai le local Terra, c'est si vous travaillez vraiment en local local, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est défini sur une extension externe. C'est un truc vraiment externe, j'ai la même chose sur mon téléphone. Ici, alors vous allez rien voir, hein. Il faudra me croire. Ici, j'ai un bouton qui me permet en fait de sélectionner si je veux être en mainnet ou en testnet, ok? Donc le changement se fait ici. Si là, par exemple, je mets en mainnet, ça va me déconnecter du site automatiquement. Ça me déconnecte du site parce que j'ai changé de network. Si maintenant, je remets testnet ici... Et je peux me reconnecter, donc je vais faire Wallet Connect. Je clique ici sur le QR code. Paf, je scanne mon... Voilà, il est un peu gros là, un peu massif. Je scanne mon QR code. À nouveau, j'autorise le site d'accéder à mon wallet. Et c'est bon, je suis connecté à nouveau sur le site. Okay, donc le changement se fait sur le téléphone ou sur l'extension. Ce n'est pas l'application qui va décider.
Donc ce que moi j'ai besoin de faire, en gros, ça va être de définir les différents contrats, parce que les contrats ne sont pas les mêmes, que ce soit sur le dev ou sur la prod. Et du coup, j'instancie ici mon client en amont dans mon provider. Ok ? Une sorte de sandbox, ouais. Ou un env de test. Ouais. Si je scanne, je vais me quoi à ta place, non ? Oui. Si tu scannes, tu vas de quoi à ma place ? Enfin, tu vas être quoi à ma place ? Tout à fait. Là, s'il y a des utilisateurs de la blockchain Terra qui scannent mon QR code quand je l'affiche, ça va me connecter à leur place, et quand je vais envoyer les transactions, ça va les envoyer sur leur téléphone à eux. Merci Hacker20Programming pour le follow. Voilà, l'environnement en question, là, le testnet, ça tourne comme la production. C'est exactement pareil. Donc, c'est vraiment le vrai, on teste en prod, quoi. Enfin, on teste pas en prod, mais on teste sur un environnement qui est équivalent à la production. Ok ? En preuve, trop fort le son de notification. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que je ne l'ai pas diminué. Merci beaucoup. C'est pas intentionnel, non. N'hésitez pas à me dire si, par exemple, la musique est trop forte, la musique n'est pas assez forte. Le but, c'est que la musique soit audible un tout petit peu quand je ne parle pas, c'est-à-dire pas souvent. Et que dans mes blancs, bah, y ait un peu en beat, en fond, etc. Ça sera plus intéressant qu'on codera, vous l'aurez plus facilement. Là, j'explique un peu l'architecture du truc, quoi. Et après, on affiche les children. Donc, les children, c'est la route, ok. Donc là, on a fini sur comment on affiche une route. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simpliste. Il y a beaucoup de configurations, on va dire, mais au final, à la compréhension du code, ça va. C'est assez simple. Si je vais dans composants ici, maintenant, on peut voir que j'ai un layout et dans le header, c'est là où du coup j'affiche ce petit bouton-là. C'est dans le header, comme ça on peut voir comment il est fait. Donc ici, concrètement, j'ai mon header, hein. Pour le moment on n'a pas fait beaucoup de CSS, et dedans je vérifie si le statut du wallet est connecté ou pas connecté. Et suivant l'état du wallet, s'il est connecté ou pas connecté, j'affiche un composant différent. Ok, donc celui nous qui nous intéresse le plus, c'est le wallet button, donc c'est celui qui nous dit ici, concrètement, j'ai cet argent et c'est mon wallet, c'est ça. Et comment on affiche ces numéros ? Eh ben, c'est vraiment très simple. Bon, enfin, entre guillemets. On a un hook, Use Terra Native Balances, qui a été créé par moi hier. Et ce hook, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, il va récupérer la balance qu'on a dans différentes monnaies. Si là, je fais l'autocomplétion, on peut voir que j'ai les francs suisses, les canadiens, les rubis indiens, donc des dollars, les dollars australiens, je sais pas ce que c'est, les euros, les livres de la Grande-Bretagne, la monnaie japonaise, coréenne, etc., les lunas et blablabla. Et du coup, en fait, ce hook va me retourner tout simplement la monnaie native que j'ai dans, enfin les monnaies natives que j'ai dans mon wallet, ok, qui sont connues de tous vu que c'est les monnaies natives. Et une fois que c'est fait, bah, j'affiche ma balance, j'affiche mon wallet adresse ici et c'est réglé. Tout aussi simple que ça. Ok, est-ce que vous avez des questions jusque là? En attendant, on va se mettre gentiment à développer le truc. Je vais juste monter ça en haut. Et merci beaucoup Dixie pour le follow. Et si vous continuez comme ça ce soir, merci beaucoup Namish pour le follow. Si vous continuez comme ça ce soir, il reste 80/80 pour nos amis français followers avant qu'on ait les 1000, hein. Je dis ça, je dis rien. Le mec qui en demande. Ok, donc ce qu'on va faire ce soir concrètement, c'est avancer sur le design que j'ai reçu. Merci beaucoup D.O.R.M. pour le follow. Le design qui ressemble à ça. Ok, je vais le mettre en plein écran. Donc on va avancer un peu sur ce design. Et ce qu'on va faire surtout, c'est faire les fonctionnalités de swap et de LP. Ok, donc là, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, c'est pas grave, on verra ça. De toute façon, au fur et à mesure que je vais coder la features, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça fonctionne et pourquoi du comment. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez, ça fera toujours plaisir d'y répondre. Alors, on va commencer par corriger les couleurs. J'ai vu que j'avais pas les bonnes couleurs de mon système. Je me demande si c'est pas la conversion de PHP Storm en HSL. On va voir, on va tout simplement vérifier ça. Donc, si je comprends bien, pour le futur, on n'aura plus besoin de Node.js, PHP, etc. Non, pas vraiment. Parce que c'est vraiment très différent. Il faut savoir un truc, c'est quand tu veux faire tourner du code sur la blockchain, c'est payant. Tout ce qui est en écriture, tu dois payer des taxes. Tu dois payer à chaque fois que tu fais une transaction, tu vas payer une petite taxe. Ça peut être en centimes, 2 centimes, en balles, 2 balles. Ça dépend de la complexité du code qui sera exécuté derrière. Donc normalement, c'est censé être du code assez simple, un peu comme dans du serverless, tu sais, ou du function as a service. Tu as simplement quelques fonctions simplistes qui vont juste envoyer un mail, par exemple, tu vois. Et c'est le truc, plus le plus rapide il est, donc le plus court le code est, le moins tu vas payer de taxes, ok ?
Donc c'est ou 500 balles, voilà, sur Ethereum par exemple, c'est des taxes assez démentielles, hein, ça peut aller jusqu'à plus de 10 000 balles. Il y en a qui payent très cher leurs transactions. Donc non, ça ne va jamais remplacer du back-end. En fait, ça va remplacer quand c'est utile de remplacer. Il ne faut pas croire que ça va remplacer ou autre. C'est plutôt quelque chose de nouveau qui existe depuis quand même un certain nombre d'années, mais qui va permettre d'avoir une autre manière de faire dans des cas qui seraient utiles d'être faits de cette façon. Voilà. Je sais pas si. Est-ce que tu utilises la techno Web3? Pas du tout. Bonsoir. Salut Arvodia et salut Hacker. Tu peux partager le design? Non, mais de toute façon, il sera sur le site, donc tu pourras le regarder quoi. Mais le design, je ne peux pas le partager malheureusement. Enfin, c'est en design dans site quoi. Ok. Alors, on va reprendre les couleurs qui ont été définies ici. Ok. Je vais tout simplement les récupérer une par une. Et je vais les garder. J'aime bien la chaiselle, mais je vais les garder en comment ça s'appelle? Je vais les garder en hexadécimal, hein, je crois. Ah, d'accord. Donc là, j'ai copié ça. Copie. Ah, mais le copie, je pense pas qu'il me l'a repris. Il me l'a pris, si vous voulez mon avis. Ok, je vais pas chercher à comprendre. C'est comme la différence entre le direct download et le P2P. Les deux existent encore et rendent un service différent. Exactement. En fait, il y a beaucoup de buzzwords, de hype ou j'en sais rien au sujet de Web3 sur Twitter et tout. Il y a des gens, genre, je sais pas ceux qui connaissent, je crois que c'est Kesley qui travaille chez Google sur tout ce qui est Google Cloud Computing. C'est un gars super intelligent, mais ces temps-ci, il m'énerve à fond parce qu'en fait, il comprend pas le. Il comprend pas et il se permet de faire du. Enfin, il se permet. Et en public, du coup, il commente sur des sujets qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas. Et ça m'énerve un peu parce qu'en fait, il dit de la merde sur le sujet et il y a beaucoup de gens qui l'écoutent lui. Et c'est dommage, en gros, parce que ça décrédibilise un peu le principe, quoi. Alors, si vous voulez mon avis, c'était celui-là, en fait. Non, j'en sais rien. Et je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas. Alors là, il y a le light. Copie. Alors, on va changer ça. Moi, je sais pas pourquoi, mais je préfère les minuscules. Hein. C'est comme ça. Le texte, il est comme ça. Copie. Mais voilà, mais donc c'est pas une technologie qui va remplacer une autre. Hein. C'est comme le Web 2 n'a pas remplacé le Web 1. Le Web 2 a enrichi le Web 1. Hein. Alors déjà, bon, je comprends pas pourquoi les gens parlent de Web 2, Web 3 et autres. Hein. Moi, c'est une grosse incompréhension des gens parce que Web 3, c'est le nom de la librairie Ethereum qui permet d'accéder à la blockchain Ethereum. Ça n'a rien à voir avec vraiment le Web version 3. Hein. Qu'on se comprenne. Donc les gens ont mal compris. Et c'est dommage parce que du coup, ils essaient de décrédibiliser un truc. Juste parce qu'ils ont mal compris, quoi. Tu parles de Kesley? Ouais, je parle de lui, exactement. C'est quelqu'un de super intelligent. Alors, chaque présentation qu'il fait, c'est extraordinaire et tout. Mais je trouve que son comportement, ces derniers temps, sur Twitter, je sais pas, c'est pas ouf, quoi. Ok, donc là, on a corrigé un peu les couleurs. Ça a changé. Ma définition simple du Web3, c'est l'utilisation de streaming. C'est-à-dire. Après, il y a eu plusieurs essais de protocoles différents où les gens en fait avaient un cache chacun chez eux. Et comme un peu via le peer-to-peer, ben, les gens se transmettaient les sites, etc. entre eux en fait. Un peu comme par exemple vous avez sur Steam avec leur DNS caching. Enfin, c'est pas du DNS caching, je sais plus le terme exact, c'est un caching. Sur Steam, comme les gens, ils ont un peu maintenant avec Windows aussi. Donc Windows, si vous le savez pas, il va envoyer par exemple à votre voisin la mise à jour parce que vous êtes plus proche de lui que les serveurs Microsoft, etc., etc., etc. Et tout ce genre de trucs, ben, ça fait du peer-to-peer un peu. Yop là, salut Scarab, hello hello, bienvenue à toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live, hein, Scarab. Ça va pas, hein? Il faut reprendre les lives. Bienvenue sur le stream. C'est plaisir de te lire. Très juste. Ouais. Ah, je sais, hein. Eh ben, tu as bien raison, ça fait du bien de prendre des pauses de temps en autre. Ok, donc on a corrigé les couleurs et on va faire le header, histoire que ce soit un peu plus sexy. Le streaming existe depuis un bail, il a juste profité de l'émergence du réseau et des nouveaux codecs, mais à part ça, il n'y a pas de révolution à l'horizon.
Ah, dans ce sens-là. Enfin, non, je sais, je vais parler entre vous, hein, c'est très bien. Ok, alors le header, à quoi il ressemble? Donc, on a le logo de Horn à gauche et à droite, nous avons tout simplement le wallet. Donc, on va faire ça comme ça. Hein. Donc, là, on va avoir un header wrapper qui va être en style component et ça va être du coup. Pardon, oui. Et ça va être une div. Ok. Non, pas du tout, ça va être en header. Voilà. Et je vais le mettre ici. Ok, on est parti. Là, on va simplement se faire en display flex pour le moment et en justify between, justify content space between. Voilà. Donc ça, c'est le truc assez simpliste. Là, au début, on aura un logo. Logo qui va rien faire. Donc on aura juste une image qui va pointer sur le logo. Donc le logo, je crois que je l'ai reçu. Je vais aller vérifier. Alors ça c'est la fonte. Yes, je l'ai reçu. Alors comment je peux faire? Je peux le drag and dropper, je pense, là-dedans. Je pense que je vais pouvoir. Tac tac tac, je vais juste vérifier un truc avant. Si vous le permettez, de toute façon vous n'avez pas le choix parce que c'est moi qui contrôle mon clavier et ma souris. Qu'est-ce que tu vas faire? Brrr, brrr. Alors on est parti. Ce live part en couille. Directory public. Ok, et là je vais y mettre tout simplement mes images avec un petit image histoire de trigger tous ceux qui mettent img. Les deux vont très bien, hein. Bien évidemment je m'amuse avec vous et je vais y copier mon logo. Alors je vais refactoriser entre guillemets vu que c'est ce qui me dit le logo. Je vais aller le mettre sur svgomg, je crois que c'est le nom du site, svgomg, un truc comme ça. Voilà. Oups, on va le paste et ça me permet de le réduire en taille. Donc là, on le réduit de 59% à peu près. Concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il nous enlève tout. Là, enfin, delete et je vais recopier ça. Tac, tac, tac. Et là, enfin, paste. Voilà. Et on sauvegarde. Je vais aussi le renommer avec juste un horn logo. Voilà. Et ici, on va aller charger slash images slash horn-logo.svg. Alors après, à voir si on va utiliser React SVGR pour charger directement le logo. On verra ça par la suite. Le logo est perturbant à fond, on dirait celui de Nuxt. En fait, c'est en arbre le logo. Tout est issu du SVG d'un arbre. Voilà. effectivement, ou alors celui de Nox qui ressemble à un arbre. Exact, depuis plus de 10 ans, il part du Web 3. Ouais, en fait, le web évolue constamment, hein, on peut le remarquer. De plus en plus, on commence à avoir des applications hybrides ou des applications qui sont plutôt rendues côté client. On a de plus en plus aussi des services centralisé mais déployé en microservices un peu partout à travers le monde, histoire que vous puissiez avoir un rendu plus rapide au lieu d'avoir un service centralisé par exemple à Los Angeles et du coup tous les Européens c'est lent chez eux parce qu'ils ont le délai pour accéder à Los Angeles. Voilà, on a plutôt un truc distribué, hein, c'est plutôt le terme là que décentralisé, c'est distribué, etc., etc. Et en fait ça évolue au fur et à mesure et là il y a la techno qui est la blockchain qui permet d'avoir un truc décentralisé et ouvert qui existe depuis déjà un certain nombre d'années. Ça ne va rien remplacer du tout, c'est pas le but. Le but c'est de répondre à un besoin. Voilà. Et l'activité du JavaScript. C'est-à-dire, et l'activité du alt. Mais qu'est-ce que vous me dites? J'ai pas fini d'écrire mon code là. On se calme. Et l'activité du JavaScript. Alors je sais pas ce que t'as voulu dire là-dedans. tac, qu'est-ce que ça donne? C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Moi franchement, j'adore. Alors là, on va faire un petit const logo est égal à styled img. Du coup, là, on va utiliser logo au lieu de img et je vais lui spécifier une taille et je vais aller voir tout de suite sur le design. Ici, la taille est de 50 pixels. Donc, il aura une height de 50 pixels et une width de 50 pixels comme cela. Un poil petit, c'est vrai? On peut le faire un peu plus grand. Alors là, je suis zoomé. Hein. Je vais dézoomer histoire qu'on ait un peu une référence correcte. Parce que si je commence à zoomer à fond pour faire l'interface, pas être ouf quoi. Les extrémistes de la 18Y.
La 18Y, c'est pas 11? C'est 18? C'est pas 11? Je pense que c'est 11, hein, l'activité, non? Ouais, c'est 11. 18, c'est pour l'internationalisation. I18N. Internationalisation. Vous savez pourquoi on met 18 et 11, d'ailleurs? Pas accessible. Bah, ça peut être très, très accessible, mais c'est vrai que de plus en plus, les gens, ils ont tendance à faire plus attention à ça, maintenant. Oui, 11. Lol. Ouais, on est d'accord. Parce que si tu désactives JavaScript, bah oui, bon, alors ça, c'est l'argument des haters, parce que personne le fait. On va pas se le cacher, hein. Tu désactives JavaScript, il y a aucun site qui fonctionne, donc personne le fait, hein. C'est un peu l'argument, voilà, si tu tires une balle dans la tête, tu meurs, hein. Donc voilà, achète pas un pistolet, hein. C'est c'est un peu le même concept, quoi. C'est pas assez grand. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai quand même réglé à 50, hein. Je me disais que ça passerait mieux. Ok, moi ce que j'aime bien là, c'est que c'est un site qui a pas un header d'une couleur différente, donc je peux me permettre. Pas du tout. Donc là, on va faire un padding. On va faire un padding. Padding en hauteur aussi. Il a l'air d'être. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est voulu le blanc en fait. Non, ok, c'est pas voulu, je pense, si vous voulez mon avis. C'est moi qui ai dû le déplacer. Là, j'ai dû déplacer le blanc. Ouais, c'est ça. Ok, le padding, il a l'air un peu identique là. Gauche-droite, j'ai aucune idée de comment marche le logiciel ici que j'utilise. Je sais pas si je peux faire comme ça pour voir la taille à peu près. Oui, donc on aura 50 ici et à peu près, c'est pas comme ça qu'on fait du coup, et à peu près ici, à peu près 50 aussi. D'accord, j'ai créé des hardboards, c'est pas ce que je vais faire. Ok, du coup, le padding, je vais regarder tout simplement mon global style ici. J'ai 48, ça va être en space 6, donc space 6, comme ça, la vie est belle et on a un petit padding assez sympathique. C'est ce que disaient les devs anti-JS avant que le JS explose. Ouais, c'est ce que les devs maintenant disent toujours, hein. J'entends toujours des gens dire « Ouais, mais si tu désactives le JS, ton site, il marche plus. » Voilà, bon, bref. Hein. Tu ne penses pas que la largeur est plus importante sur la maquette ? La largeur est plus importante sur la maquette, c'est-à-dire Si tu utilisais le JS, t'étais limite en salaud. Ouais. InJS we trust, merci Scarab, exactement. Merci Momo aussi pour le follow, ça fait plaisir. InJS we trust, exactement. Moi, j'ai pas le tatouage hein, sur moi, mais j'y pense très fort à ça. J'ai pas un rapport entre le canard et le JavaScript, tout à fait. Hein. SpaceX. Largeur plus grande que la hauteur avec les deux triangles. Non, non, pas d'après, regarde. Enfin, bon, là, j'ai fait le calcul, et ici, c'est 50. Je suis en colère, hein. Il faut que je starte ici, bien évidemment. Ici, c'est 48, pour être précis. Et ici, c'est... Ah, c'est un tout petit peu plus haut, ouais. Non, t'as raison, c'est 68. Tu as tout à fait raison. Donc, on aura 68. Alors, combien j'ai qui se rapproche de ça? J'ai 64. On va faire en var. Merci beaucoup, Slime, pour le follow. Space 7, voilà, comme ça, ok, ça me paraît énorme, hein. Ça me paraît énorme, je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît mille fois plus gros, hein. Ça a l'air correct, mais ça ne ressemble pas du tout à la maquette, hein. Et c'est là où la question se pose, est-ce que la maquette a été faite sur un autre système? Attends, je dois faire un refresh, sinon j'ai pas les styles ici. 64 pixels, 48 pixels. C'est exact. Bon, là, c'est des PT, hein, c'est des points. Ah non, mais je suis en débile, purée. C'est 44 ici. C'est 44. Donc non, c'est juste. J'ai fait juste. Voilà, c'est space 6. Voilà, 44, moi j'ai mis 48 des deux côtés. Limite, je pourrais mettre un 5. Je trouverais ça plus joli, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plus joli. Ok, c'est plus joli. C'est plus saxaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les maquettes ont été designées pour un écran Full HD. Moi, je me demande si je fais pas deux Max Wrapper. J'aurai un global. Non, on va laisser ça à gauche. Comme ça. Ça au centre, ça à droite. Sur un grand écran, ça fera peut-être bizarre. Ouais, ça se retravaille de toute façon par la suite. Hein. Nom du logo, pas du padding. Tu dis la taille? Non, la taille, j'ai regardé en cliquant sur le logo. Hein. J'ai cliqué dessus comme ça.
Voilà. Donc non, ça en est bon. Sur le même sujet, le principal le principal d'une ERP, Enterprise Resource Planning, est la centralisation. Donc je vois mal une blockchain sur les systèmes de gestion. Bah exactement, hein. Ou même, enfin je sais pas, Netflix ou tout ça, enfin... À nouveau, hein. Moi je vois pas un Twitter décentralisé, hein. Donc c'est là, il faut que ça soit utilisé au bon endroit. Comme toutes les technos, hein. Il y a une utilisation, il faut qu'elle soit utilisée au bon endroit. Oh, pas de soucis, hein. Merci d'avoir essayé de m'aider. C'est tout ça ton honneur. On fait tous des erreurs et c'est de tous les cas, que ça soit juste ou vrai ou faux, ton intention était de m'aider. C'est tout à fait honorable. Ok. À droite, on va faire ce petit truc. Ce que je vous propose ici, c'est que je change la fonte parce que là, actuellement, elle me dégomme les yeux, cette Arial. Alors, la fonte utilisée, c'est Myriad Pro, qui est une fonte gratuite malgré son nom Pro. Je l'ai téléchargé et il y a ça de fonte. Voilà, hein, on peut voir le schmilblick. Voilà. Alors j'ai pas zoomé, voilà, c'est des... Voilà, donc on peut voir le nombre de fontes différentes. Alors normalement, les seules utilisées, et ça je comprendrai jamais, c'est la fonte en régular. Mais ça a l'air d'être en gras, on est d'accord ça. Ça c'est en gras ça. Ah non, c'est des curves. Ah Luc, qu'est-ce que tu m'as fait Luc? Ce sont des curves. Ok, bon, selon moi, j'aurais besoin du gras, du semi-gras, enfin du médium et du régular. Je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres. Gras, semi-gras, régular. On va utiliser ça. On va utiliser ça. Gras, semi-gras, régular. Donc, je vais aller passer sur... comment ça s'appelle ce site déjà? Code fonte. Oh, comment ça s'appelle? C'est un site qui permet de transférer les fontes en WAF. Et c'est tout. Oui, comment ça s'appelle? Oh. Je suis sûr que je dois attendez, je dois l'avoir dans mes Si vous les avez, je prends. Hein. What the font? Non, non. Use the source, look. C'est tellement blanc, mes yeux meurent. Mais non. Non, c'est pas un site pour savoir la fonte. C'est un site qui permet de quand vous avez les TTF, de les transférer en WAF. Et souvent, le rendu est dégueulasse, mais on va voir si ça marche bien ou pas. Ah. Transfonteur. Boum. Tac 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 et chloup chloup chlap. On peut coller des URL. Avouez, vous pouvez. Mon chat est open bar. Hein. Il y a aucun bot. Le seul bot qui est là, il est là pour vous donner des informations si vous en avez besoin. Donc là on a transfonteur, on va rien corriger au niveau de la fonte pour le moment. Je vais ajouter mes fontes. Donc c'est dans download, ouf, dans Myriad Pro et du coup on va ajouter la, elle est où la régulière. Voilà, ça fait une. Ah, ça commence. Font file is corrupted. Eux aussi, ils ont piqué les triangles de leur logo. Ouais, exactement. Alors, ça commence mal parce que je l'ai installé sur mon PC, ça a très bien fonctionné. Et là, il me dit... c'est corrompu, ce petit fichier, là. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je vais essayer de redécompresser la fonte. Dans le pire des cas, on met une autre fonte en attendant. Hein. C'est pas la mort. Voilà, c'est redécompressé. Je resectionne régulier et je fais un add font. Tac, tac, tac et tac. Vous entendez le bruit que fait ma souris quand même? Tac. Ok, c'est corrompu. Si vous voulez mon avis, on va aller sur Google Font en attendant et on va aller choper. Alors, est-ce qu'il y a déjà Myriad? Je l'ai pas vu, mais. Myriad. Ok, j'ai pas vu. Je vais voir sur le site de horn.io s'ils utilisent du Myriad. Hein.
Parce que si c'est le cas, bah, je vais pomper la fonte tout simplement. C'est du Myriad Pro, hein, donc on va aller pomper la fonte. Network. Fonte, ici. Voilà, j'ai la bold et la régular, c'est parfait. Open in new tab, voilà, et j'ai pris laquelle, la régulière, et open in new tab, boum, c'est fait. Est-ce que je vais même aller piocher dans le CSS, il n'est pas compressé, oh, c'est magnifique, on copie ça les amis, et on est ready pour avancer. Alors, je vais le mettre ici, juste, je vais le mettre un peu plus haut, je vais le mettre avant mon reset, voilà, comme cela, paf, on sauvegarde. Est-ce que ça nous a formaté? Je pense que oui. Pour download, moi pour des fonts j'utilise Canonicalized pour download Google Fonts. Ah ouais? Parce que sur Google Fonts tu peux les DL, hein. T'as un truc en haut à droite pour les DL, les fonts. T'es pas obligé normalement de t'embêter. Ok, alors j'ai mes fichiers de fonte, donc je vais les mettre dans public ici. On va faire un directory que je vais appeler fonte. Et je vais tout simplement y glisser, déposer mes deux fichiers de fonte que je viens de télécharger. Paf, qui sont déjà en plus en format WAF, donc c'est génial. Hop, et ils sont du coup les deux là-dedans. Maintenant ici, je vais spécifier l'URL qui commence par slash fonte comme cela. Alors ça, j'ai pas du coup, ça j'ai pas et j'aurai que le WAF 2. Savoir que le WAF2 fonctionne sur la plupart des sites, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Pas de virgule du coup, mais en point virgule. Voilà, et là il devrait plus me râler dessus. Ok, on va faire pareil ici, sans delete, là on met source. On va à la fin, on met en point virgule et on revient au début. Ici on doit mettre un espace et ça ici on delete. Et on met un slash, voilà. Je crois que ça devrait être bon pour définir la fonte. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Cannot resolve direct. Ok, mais ça, c'est parce qu'il ne sait pas et parce qu'il y a un S ici aussi. Et là aussi. Excusez-moi. Ok, donc là, j'ai la fonte de charger. On l'a perdu. Ah non, vous m'avez perdu? Avec un S, ouais. Vous m'avez perdu? Ah non, mais c'est simplement Stéphouille qui m'a perdu. Et ici, je vais rajouter du coup en fonte family, du coup Myriad Pro. Myriad Pro. Et sans serif à la fin en tout cas. Et après, on en ajoutera d'autres histoire d'être sûr que tout le monde ait la fonte. Alors, si je vais sur le site, qu'est-ce que ça donne maintenant? Cool! On a Myriad Pro qui est chargé. Si je vais voir là, je hover, on peut voir que c'est bien Myriad Pro qui est chargé. Nickel Chrome. Non, tout à l'heure, tu étais très concentré. Ah bon? Non, moi, je suis jamais concentré. Jamais concentré. cool. Alors, on va faire le petit bouton à droite qui est dégueulasse en ce moment ici. Hein, et après, on fera le drop down aussi. Ok. Alors il y a juste un truc qui me trigger. Voilà, ça va beaucoup mieux. Alors le header. On va faire le bouton connecté. Ça va être le plus chiant à faire. Alors ce que je vous propose avant, c'est un petit commit hein, quand même. Paf, paf. Qu'est-ce que j'ai changé là-dedans? On n'avait pas commit ça? Oh. Eh ben non. On va juste faire ça. Et bien évidemment, les fichiers unversion. Ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh! Ça aussi du coup et ça aussi et là on va faire un petit fit start of fonts plus logo, voilà, c'est très très bien comme nom, j'aime beaucoup.
Quelle blockchain est bien pour débuter dans les dApps, niveau prix surtout? Bah comme le dit Steph, oui, ça te coûtera rien sur un testnet, mais moi dans tous les cas je te conseillerais de construire sur Terra tout simplement. Après il faut une utilité hein. Là la dApp c'est pas juste en front en React, il y a du code derrière en Rust qui tourne sur la blockchain. C'est pas simplement une app React, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, ce que tu peux faire pour t'entraîner, c'est avoir des idées, des adresses de contrat et essayer de refaire un front. Par exemple, si tu as une app que tu aimes bien, bah, tu essaies de refaire le front. Comme ça peut t'entraîner à utiliser React, Angular, Svelte, Vue, autres techno front. Et tu vas aller taper dans les smart contracts qui existent déjà, qui sont faits par d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais m'hydrater. N'hésitez pas à payer en Foxys hein, pour que je m'hydrate. Si vous remarquez que je parle beaucoup et que je m'hydrate pas, ça m'y fait penser. Parce que j'oublie assez vite. Ok, alors on est parti pour faire le connect. Le wallet button. Composant, wallet button. Il est ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le trigger. Donc le trigger, pour le moment, il fait un dark green, il est rounded, et c'est tout. Ok, donc là, je vais déjà enlever le fait que la fonte soit plus petite, parce qu'au final, il ne faut pas qu'elle soit plus petite. Faire une marketplace de NFT, par exemple. Bon courage. Bon courage. Ok. Alors, je vais juste regarder pourquoi on a en... On a un padding là-dedans. Quel est l'élément qui me fait le padding? Mais ça, je comprends pas. Ça me troue les fesses. Pourquoi il fait ça? Alors, je sais pas s'il y a une mise à jour de... About Google Chrome. Est-ce que j'ai une mise à jour? Ok, j'ai une mise à jour de Chrome. On est sur le build Canary. On va la faire. Et on espère que ça fasse arrêter de crasher le tab quand on explore les éléments. Désolé Romain, je n'arrive pas à suivre avec ma pauvre connexion. Bonne soirée à toute l'équipe. Ah bah désolé Arvodia. Bonne soirée à toi en tout cas. Et puis bah, n'hésite pas à regarder sur YouTube la rediff. Tout simplement. Vu qu'il y a la rediff sur YouTube. Hein. La rediff de hier déjà, si t'as pas suivi le live de hier. Et il y aura la rediff de ce soir aussi. Alors si vous voulez mon ami, c'est parce que c'est en flex, hein, tout simplement. Ouais, c'est parce qu'il est en flex. Et lui, il faut que je lui mette un petit display block. Pas du tout. En flex gros à 0. Alors si vous voulez mon avis, ce que je vais faire hein, parce que je suis une bille en CSS, je vais encapsuler ça dans une div et l'histoire sera bien évidemment, l'histoire sera réglée tout simplement hein, c'est, on va pas se compliquer la vie, voilà, c'est très joli comme ça. Ok, alors le bouton ici, vous êtes plutôt team, je définis la taille du bouton ou avec un padding margin, avec un padding surtout, là, je définis à peu près sa hauteur, etc. Vous êtes team quoi, vous? Ça m'intéresse. Alors là, on a un padding de combien à droite à gauche? Ici, on a un padding de 10 pixels, donc on va faire 8, nous. Paf. Ok, alors, team à l'arrache. Ah, j'aime bien cette équipe. Moi, je valide. Donc là, on aura un padding inline. Je sais pas. Je pense qu'on va avoir. Non, padding juste inline. Ok, donc gauche-droite. Je vais aller voir dans mon global style sheet ici. Et 8, c'est donc 2. Bar dash dash space dash 2. Voilà. Comme ça, on a le padding à gauche et à droite. Et en haut, on a un petit peu moins. On a un padding de 5 pixels à peu près. Donc je vais mettre en space en. Donc là, je vais pas l'enlever ici finalement. Et ici, var space en. Voilà, 1 et 2. Ok, là on a le padding qui est correctement mis. Maintenant, ici, on va avoir ce truc là qui va avoir un padding aussi à l'interne. Ok, un padding de 6 ici. Donc là, ça va être le wallet address. Lui, il aura un padding en hauteur de 6. Donc je vais mettre 8. Deux. Et gauche-droite, il a un padding un peu plus élevé qui sera de 17. Donc moi, je vais mettre 16. Et 16, c'est 3.
Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors, on peut voir qui ne prend pas la taille. Qui devrait prendre? Donc, attendez, je dois réfléchir. Taille de la fonte. Team type sur le bouton, comme ça, il a la même taille partout dans l'app. Ouais, moi, je suis aussi de ton avis négatif. Surtout quand vous changez le contenu, vous savez, quand vous avez un bouton, par exemple, qui devient avec un loader, ben, si loader est plus petit, ben, le bouton, il fait... Si vous faites avec des paddings par rapport au contenu. Donc moi, j'aurais plus tendance à le faire autrement. Mais bon. Alors, je suis une bille en CSS, hein, je le dirai jamais assez. Donc ici, maintenant, pourquoi lui... Alors déjà, eux, ça leur a des display en inline block. C'est le pourquoi du comment. Hein. Display... Tac, 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 inline block, bien évidemment. Sinon, ça va pas marcher. Et du coup, on le fait descendre. Ici, et pareil pour la balance, c'est en display inline block. Voilà. Cool. Un peu mieux. Alors, je trouve que j'ai un peu trop de padding en hauteur. Si vous voulez mon avis, je vais mettre en ici. Ok. Un peu mieux. Cool. Et entre les deux, ici, on va essayer de faire ça bien. Je vais reprendre le 3 que j'ai ici. 3. Cool. Ok, ça passe un peu mieux. Il faudra que je change, bien évidemment, le hover, là, le outline qu'on a, qu'on le sélectionne. Il faudra que je le passe en vert, histoire de suivre un peu le même format. Cool. Là, on a le truc. Alors, attendez deux secondes. Ok, alors on va récupérer l'icône tout simplement qui nous permet de définir le wallet. Alors attendez, je l'ai ici icône wallet. Je vais aller le glisser. Pour le moment, on va pas se casser la tête, je vais tout mettre ici, dans un nouveau dossier que je vais appeler icons, et peut-être dans un futur, on va utiliser des composants React pour les faire, hein. Pour moi, j'en ai pas besoin, et je le mets là-dedans, voilà, je vais refacto ça, F6, et je vais mettre juste wallet, comme cela, ok, là, je vais aller tout copier, donc c'est GG, Yank, et on va aller ici sur SVGOMG à nouveau pour paste, paf, et comme ça, ça me l'aurait dû en taille. Parfait. Donc là, je vais tout supprimer. Donc GG, V, G majuscule, D. Et là, je vais paste tout simplement cette chose-là. Paf. Voilà. J'ai même parce qu'il m'a gardé de l'ID ici. Je sais pas s'il est utilisé dans les styling. C'est pas grave. Tu sais que tu peux incrémenter, décrémenter avec Vim. Incrémenter, décrémenter. Comment? Je sais que je peux faire replace 2, replace 3, mais sinon, non, je sais pas. Ctrl A. Alors, moi, Ctrl A, ça remap sur la recherche d'action, j'ai mis. Et Ctrl X. Ah ouais. C'était à combien avant? 3. Ok. Ok. Voilà, Ctrl X, ok, cool. Enfin, je sais pas si. Ok, moi, je vais faire sur une lettre, c'est pas ouf. Il connaît ses keymap. Ok, alors on retourne là-dedans, ici je vais avoir l'icône du wallet du coup, le problème c'est que c'est en span, est-ce qu'on peut mettre une image dans un span, est-ce que vous savez, on va aller voir, hein. Span MDN, qu'est-ce que le span peut contenir? Non, le span peut contenir du phrasing content. Donc, hein, vidéo ? Ok, il doit y avoir image là-dedans. Object. Image. Non, non, il peut contenir une image. Parfait. Span peut contenir une image. C'est officiel dans la spec HTML. Donc, on est parti. Hein. Ici, on va faire du coup un petit img qui va aller taper dans slash icons slash wallet.svg. Le alt va être vide. Paf, comme cela. Oula. Et là, ça va faire un truc beaucoup trop grand, bien évidemment, comme cela. Et du coup, on va aller le mettre ici en const.
wallet icon. Ça va être un style component, une image, paf, et ici je peux l'utiliser du coup comme cela. Parfait. Paf, 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 paf. Et ici je vais définir du coup une height de 5 pixels et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est un peu petit hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est un peu petit. Non, je pense plus qu'on est dans les 16 pour que ce soit la taille de la fonte, si vous voulez mon avis. Ok, c'est déjà un peu mieux. Quelle taille il a mis dans la maquette ici? Il a mis 20. Donc en 20 pixels. Paf. Ok. Maintenant le wallet address, il est en display inline block. Alors ça va être plutôt un inline flex mon ami. Comme ça la vie est belle, magnifique. Avec un petit align item en center ici. Parfait. Et un petit gap var space 3. On peut élever 2. C'est pas mal. Je vais le mettre comme ça. C'est pas mal. Ok, il y a le texte là qui est parti en vrille. Du coup, le trigger ici, il va être un display aussi. Display flex. Je peux même mettre inline flex plutôt. Et un petit align item ici à center, bien évidemment. Comme ça, c'est centré. Magnifique. Tu ouvres la maquette avec quel logiciel? Alors là, c'est ouvert avec Affinity Designer. Exactement, Namish, c'est ça. Affinity Designer. Tout à fait. Ok, donc ça c'est bon. Le drop-down, j'ai pas la maquette, hein, je crois, du drop-down. Non, alors on va le faire un peu nous-mêmes. Comment on va faire ça, que ce soit sexy? Alors déjà, on va faire un padding. Je vais faire le même padding qu'on a dans le trigger. Ici... Paf, on le colle, histoire de avoir un padding au moins, au minimum. Ok. Je vais dire ici que les drop-down menu.item, ok, eux, je veux qu'ils soient avec un curseur pointer. Ça, au moins, on a un pointeur ici, c'est beaucoup mieux. Ok. Je vais enlever l'outline dessus. L'outline, je vais mettre none. Alors, est-ce qu'il faut que je refresh? Alors, il faut que je le fasse en hover. Alors, comment ça se passe? On remarque que ça plante plus, hein, donc ça a fonctionné. For state, hover. Ok, c'était focus, hein, je pense, du coup. Non. Est-ce que c'est géré par la... C'est pas un outline, c'est quoi alors? Et merci beaucoup Tazg Omit pour le follow. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir de follow. Surtout qu'on est 926. Bientôt les 1000, ça fait vraiment plaisir. Attends de regarder un peu. Ok. J'ai l'impression que le texte est très petit, hein. Je sais pas votre avis là. C'est censé être du 16 pixels de base. Ça me paraît minuscule. C'est du 16 pixels. Hein. Alors, combien c'était mis ici? C'est mis en... Putain, je l'ai... En 18, ok. Le texte de base est en 18. C'est bien ce que je me disais, hein. Ça me paraissait méga petit. Possible d'expliquer les style components après le débruitage? Non. Oui, bien sûr, avec plaisir.
Je vais juste ici faire un font size en 1.2 rem de base. Comme ça, tout est en 18 normalement. Ouais, 19. C'est quoi, 1.18 en 1.18. Ouais, ok, ça ira très bien. Ok, un peu plus gros, c'est un peu mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux que je t'explique au niveau des style components? Ils sont posés les bonnes questions, hein, parce qu'on me pose des questions, mais moi j'en pose en retour, hein, faites gaffe. Hein. Moi je pose des questions. Hein. Ha! Ok, là on est bon. Bon, il y a ce. Je ferais peut-être que l'item ici, il a un padding aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, un peu au bas. Donc un padding bloc ici. Et je vais lui mettre un padding en space 3. Ok, histoire que ce soit un peu plus aéré. Ah mais par contre le... Ah d'accord, donc le outline il se met pas sur le padding. Non, non, lui il se met vraiment sur le lien quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Il est où? Il est là, 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 là. Et là on a un div, ok. Et si lui, je lui force le state à focus, ça change rien. Si je lui force le state à hover, ça change rien. Si je lui force le state à active, ça change rien. Mais par contre, quand je clique dans le navigateur, il l'est. C'est un outline ou hover? C'est un outline là. C'est le focus state. Vous voyez, c'est-à-dire que si là je vais avec... Je peux faire Enter et après je suis dedans là. Je peux faire au bas avec mes flèches. Bon, il y en a quand, hein, ça sert à rien. Wallet Connect. Attendez, je vais me reconnecter du coup. Voilà. Salut Florian Truchot, hello. Bah, j'ai pas très bien compris comment ils fonctionnaient, leur utilité. Alors en gros, si j'ouvre ici. Laissez-moi fermer ce truc là qui s'affiche à chaque fois que je suis en alt tab. Ça permet en fait d'écrire du CSS dans du JS. Alors après, t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Et concrètement, ça te permet ici de dire bah écoute, j'ai un composant React qui s'appelle Trigger. Ok. Je vais te donner un exemple. Voilà, par exemple. Qui s'appelle Wallet Icon. Et je donne mes styles là-dedans. Hein. Donc là, j'ai accès à la même chose que du SAS. Ok. Donc je peux avoir des variables, je peux avoir des trucs imbriqués comme on a là, etc. etc., etc. Et il sait que lui, que ça va être un composant HTML image. Okay. Ou là, par exemple, je stylise en composant React. Et après, dans mon JSX ici, je peux utiliser les composants que j'ai définis avant. Et ils ont les mêmes propriétés. Par exemple, lui, Wallet Icon, je lui ai dit que c'était une image. Du coup, il aura un SRC et un alt tag. Okay. Donc, ça me permet de styliser et ça me permet de faire des trucs un peu plus sympathiques. Par exemple, ici, je lui ai dit, écoute, ben, le contenu, quand il aura un enfant qui sera ce composant React-là, hein, je ne l'ai pas dit en tag HTML genre en A ou autre, je dis, s'il a ce composant-là en enfant, eh ben, tu le stylises comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça permet d'être un peu plus précis, je trouve, sur du React. Et ça permet en plus d'optimiser le rendu avec les classes. Il va essayer de faire un mix-match pour optimiser la taille de ton CSS. Tu peux aussi, ah bah après ici, vu que c'est du JS, hein, je peux y mettre une fonction, par exemple ici, qui va récupérer les props que j'envoie au composant. Et là, je vais pouvoir dire, bah écoute, si j'ai une props, par exemple, du nom de primary, donc là, je vais faire props primary, tu vois. Bah si j'ai une props primary, ici, bah, j'ajoute, par exemple, un border color de taille, machin, machin. Et du coup, bah, après, suivant les props que je vais envoyer à mon composant, ça va permettre de changer le styling. Et c'est plus clair, merci. Bah, pas de souci. Ici je vais juste faire un border none et je vais le faire sur le hover, donc on va faire un tac tac hover ici et sur le hover je vais faire ça en none et je vais faire un outline none et juste voir si ça change quelque chose. Paf, non, ok. Et si je fais sur en focus en plus, voilà, histoire d'avoir le truc. Ok, on va aller voir la doc de Radix, Radix UI, et on va voir eux comment ils l'ont fait, parce que je pense qu'eux, ils ont changé le styling. Drop down menu, ok. Donc là, on peut voir que j'ai un styling qui est différent, hein. On est d'accord ?
Donc on va aller voir leur code et on va voir comment ils ont stylisé ça. Sinon, pour les médias sociaux, depuis quelques jours, je réfléchis sur une décentralisation des données d'utilisateurs. À quoi ça servirait ? T'étais pas censé être parti ? Oh, mais j'adore, moi, ça, c'est les gens qui disent « Bon, moi, j'y vais, allez, bonne soirée. » Et 20 minutes après, « Là, t'as oublié un slash à ta div. » Tu sais, c'est les mecs, en fait, ils partent jamais, ils restent quand même, viveurs de l'ombre et tout. Ouais, ça me l'a fait une fois, on me l'a dit, ça m'a fait tellement rire, parce que c'était tellement ça, j'avais dit « Tchou, j'y vais. » Une heure après, j'ai dit « Là, t'as oublié un point virgule. » Tu sais, genre la ligne 2, là. J'adore. Bref, le focus, eux ils utilisent le style focus, ok, mais où est-ce qu'ils dégagent le outline? Moi c'est ça qui m'intéresse. All unset. Ah, ça vous connaissez la propriété all, deux points, unset. Ça va enlever tous les stylings du truc quoi, et ça va utiliser que les vôtres après. Vous voyez, là il n'y a aucun styling là. Là, du coup, il n'y a même plus de couleur, quoi. C'est vide, hein. Cette propriété, elle est assez what the fuck, hein. Maintenant, j'ai une connexion qui marche. Ah, tout s'explique. Alors, attendez, je reçois une nouvelle maquette. Je vais fermer ça. No, voilà. Et je vais ouvrir la nouvelle maquette. Voilà, et là on devrait être nickel, Chrome. Il n'y a juste plus rien. Bah ouais, là, j'ai unset all, j'ai rien défini aucun style après. Du coup, bah il n'y a plus rien. Et c'est ce qui me fait rire, c'est ce qu'ils utilisent dans leur doc, unset all. Et voilà quoi, après tu te démerdes quoi. Donc là, ils font background color violet. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, il faut que je fasse ça comme ça en fait. C'est fou, hein. Je sais pas. Je dois faire un unset all, quoi. Il m'explique pas comment je dois. Attendez, ici, est-ce que j'ai une information? Text value, trigger item, groupe label, exemple, accessibilité, keyboard shortcut. Non, j'ai pas vraiment plus d'infos que ça. Hein. Je sais pas quel est l'élément qu'ils enlèvent, en fait. Par contre, ça m'intéresse, ça je vais le mettre, le user select à none, parce que je veux pas qu'on puisse copier-coller, ça sert à rien dans un menu contextuel. Mais du coup, pour moi, c'est un outline. Hein. Est-ce que je dois mettre 0 et pas none? Peut-être. Non. Est-ce que c'est pas lui directement, mais c'est un de ses enfants qui le fait? Attendez, on va essayer. Hein. Merci beaucoup, Régis, pour le follow. Je vais lui dire, bah écoute, n'importe quel enfant de toi, je veux qu'il n'y ait pas d'outline. Outline none. Voilà. Ok, ça corrige le problème. Cool. Donc, je pense que ça doit être ça le souci. Est-ce que ce ne serait pas un box shadow? Non, à première vue, c'est un enfant. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne voit pas ici que c'est un enfant. Enfin, ça dépend ce que je stylise. Hein. Non, je stylise le menu item. Ah non, je stylisais pas le menu item, je stylisais ça. Ah, très intéressant. Drop down menu item. Alors. Attendez, on va tout de suite voir. Hein. Ici, je vais mettre quand en 9h. Oui, je sais qu'il manque une parenthèse. Quand je hover lui. Je veux qu'il ait un background color et il va être un var light green. Paf. Ok. Non, je stylise pas le bon truc. Intéressant. Pourtant, j'ai bien ça. Est-ce que je le fais faux? Styled component. Est-ce que je le fais faux? On va aller voir la doc. Non. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Mais c'est pas grave, écoutez. De toute façon, on va le faire en const. Item est égal à styled. On va le sortir. Hein. Dropdown menu.item.
Et ici, on va aller lui copier du coup tous les petits styles qu'on a mis ici. C'est tout ça. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Boum, ok. Ça, on peut enlever. Et du coup, ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Le out, ça, je peux le laisser ici. Le outline, il est très bien ici. Et là, on devrait être un peu mieux. Il faut bien évidemment que j'utilise l'item, sinon ça va pas aller. Ici, on utilise item. Ok, un peu mieux. Hello, tu es sous Stitches ou Stylecom? Hello, salut Grafman, bienvenue sur le stream déjà. Et j'utilise Style Component ici. J'utilise pas Stitches, j'aime pas trop, j'ai essayé. J'aime pas trop. Donc j'évite d'utiliser. Alors j'ai mis 4, c'est faux. On va mettre du 2. Beaucoup mieux. Et on va mettre aussi quand même en padding. Je vais plutôt faire un var ici, space 1. Voilà, ça sera un peu mieux, je pense. Nickel. Ou c'est pas ce que vous en pensez, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est faire seulement le bloc ici. Ok, le bloc il a en, et ici en fait je vais augmenter le gauche droite. Ok, comme ça ça va faire une ligne assez sympathique. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça je sélectionne quand même l'entier du truc quoi. Là je vais mettre un 250, parce que ces 200 c'est quand même petit. Nickel. Alors l'ombre et tout ça, ça on verra par la suite hein. C'est pas important pour le moment. Mais ça fonctionne ici. Nice. Cool. Plutôt sympa avec la ligne entière, je trouve. Ouais, je préfère aussi la ligne entière. Du coup, on enlève le padding sur l'élément et on l'agrandit simplement sur l'autre. C'est plutôt sympathique comme ça. Et du coup, là, on a un effet de focus. Et normalement, si je clique ici, je fais Enter et je fais avec la souris. Alors, il faut que j'ajoute ici aussi, si ce soit le focus ici. Donc là, c'est sur le de point focus. Voilà. On va faire ça, parce que bien évidemment, l'effet hover n'existe pas si vous êtes au clavier. Donc là, vous voyez, je suis allé avec le clavier, hein, donc là, je fais Enter, et là, je suis sélectionné dessus, avec le clavier. Cool. Nickel. Bien évidemment, l'accessibilité pour les utilisateurs clavier. Et là, je vais juste voir si je mets Dark, à quoi ça ressemble. Dark Green. Non, je préfère le Light. Light, voilà. Ok, ça c'est cool. Alors on va faire la même chose pour ce bouton là, hein. On va un peu copier les styles si vous voulez mon avis. Après je pourrais les externaliser, pour le moment c'est pas mon but. Donc on va simplement copier-coller. Je vais créer du coup un nouveau composant que je vais appeler styles. Comment je vais l'appeler? Wallet style. Wallet. .tsx. Non, ça me plaît pas parce que c'est pas exactement le style du wallet. Je vais pouvoir le nommer button, c'est que des buttons. Je vais l'appeler button style. Button style, voilà. Éclatage des yeux de Romain à chaque fois. Alors pas du tout, parce que moi je suis habitué à coder en light, donc ça ne m'éclate pas du tout les yeux, hein. Je suis tout à fait habitué en fait à coder de cette manière là. Voilà, désolé. Allez, on exporte ici. Pareil ici, on exporte. Et on exporte cette chose-là. Tac, et ici, on va du coup importer tout de pi ici. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Voilà, lui il me propose plus d'importer. J'ai dû casser un truc. Ça, on n'a plus besoin. Et ici, du coup, on va encore importer trigger, balance, wallet adresse et wallet icône. Oula. Ok, ça on est bon. Et pour le coup, on va copier cette ligne ici. On va aller la coller ici. Et on va renommer tout ça. Donc là, on va utiliser juste trigger. Ok, c'est bon. Ici, juste content. Ici, juste item. Et on sauvegarde. Et ça devrait être bon. On est bon. Voilà. Et là, je refais wallet connect. Et je vais scanner
Oh, j'ai un item de mon wishlist qui est sur Steam en action. Attendez, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, Steam. Dis-moi ce que j'ai besoin d'acheter. Ouais. Ah, il y a une erreur de communication avec les serveurs Steam. Ah, c'est dommage, tu n'auras pas mon argent. Allez, on scanne. Hop, on fait un hello et on est bon. En même temps qu'on vit au milieu de la neige, on est habitué, exactement. Alors, je sais pas s'il y en a qui étaient sur le live de Graph hier, je crois que c'était hier, où il a dit qu'il se les gelait et moi j'ai dit qu'il faisait moins 10 chez moi. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient sur ce live au moment où j'ai dit ça? Merci beaucoup, Maxim. Oui, moi, ok. Ah oui, ok. Alors, il faut savoir qu'après, il vous a dit, ah, en plus, il y a de la neige. Parce qu'en fait, je lui ai envoyé des photos. Alors, je vais vous montrer les photos que je lui ai envoyées. Donc, comment je peux faire ça sans exploser, sans tout divulguer. Voilà, je peux faire Open Original. Nickel. Donc, je lui ai envoyé ça. Donc, ça, c'est moi qui marche dans la neige. Voilà, donc ça, ici, là, c'est mon genou. Hein. Cette zone-là, là, ici, là, c'est mon genou. Voilà, avec des bottes qui remontent. Donc, je lui ai envoyé ça, je lui ai montré. Je lui ai envoyé, après, ça, qui était un chemin. Et je lui ai envoyé ça, voilà, qui était un autre chemin. Voilà, histoire de lui faire bien froid, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il avait dit, ah, en plus, il y a de la neige. Tu es dans quelle région? Fribourg. Oui, il neige chez toi. Ah ouais, il neige chez moi. On a plus qu'à 1 mètre de neige à certains endroits. C'est enneigé. Ok, donc là on est bon au niveau styling du bouton. Ce que je vous propose, c'est un petit commit. Button style, les fontes, le wallet ici. Et ça et ça. Alors je vais juste regarder pourquoi il me râle là-dessus. C'est à cause du alt. Ok, il n'aime pas ce alt là. Donc on va lui donner un alt. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui donner un alt comme cela. Et là, il ne devrait plus me râler dessus. Ok, nickel. Et là, je vais mettre fit. Je vais mettre styling. Voilà. Styling of wallet button. Voilà. On commit et on est parti. Commit anyway. Hein, bien évidemment, les warnings, on est plus fort qu'eux. Hein. On est plus fort que les warnings. Cool, allez, on continue, sinon on va pas avancer. Donc ici, on a le petit aside, le menu de gauche. Donc je vais me créer ici un sidebar. Je vais l'appeler sidebar.tsx. Ok, on va faire un petit export function sidebar ici. Et là, du coup, on va retourner pour le moment juste en aside. Voilà, ok. Je pense que c'est pas mal le nom aside, ouais. Et ici, je vais commencer déjà à créer un composant que je vais appeler shell. Ok, est-ce qu'il y en a qui déjà ont entendu le terme shell mais ne savent pas ce que c'est? Parce que c'est un terme qui n'est pas forcément utilisé. Enfin, qui est souvent utilisé et les gens ne comprennent pas forcément. Bonsoir, salut Fabien ML, hello. T'es à combien de temps des pistes? Je dois être à 5-10 minutes des pistes de ski en voiture. S'il n'y a pas trop de neige, parce que sinon c'est un peu plus long. C'est une entreprise de pétrole, exactement. Les pompes à essence Shell, exactement. Non, Shell, c'est en fait le layout de votre application. Quand vous faites une SPA, il y a le terme Shell, ça va être le layout qui ne change pas normalement entre les pages. Voilà. Du coup, il y a une div dedans, et dedans on va avoir le header, ok, qui sera du coup importé. Alors attendez, comment je vais faire avec PHP Storm? Je peux faire comme ça, je crois. Après tu me proposes plus. Ah, magnifique. Ok, on a le header et on va avoir ici du coup le la sidebar. Voilà. Ici on aura un main et on aura bien évidemment les children. Alors pour moi, mon but c'est pas de faire le truc correctement. Au début, je vais juste tous les afficher. Là, je lui définis juste que children, ça va être de type React Node. Voilà, truc mûche, il me l'importe. Ici, je précise juste que c'est en type. On est bon. Et ça me permet, dans mon application, ici, d'enlever ce header. Et en fait, de wrapper le tout avec le shell. Oula. Le shell. Paf. Paf. Ok.
Ici, je vais... attendez, que je me souvienne mon raccourci. VT dollar. Non, c'est pas ça. C'est T dollar. Non, attendez. C'est V dollar. Nice. Et là, je fais un D. Je viens là, je fais un shift P. Non. Si je veux P, c'est à la end. Bon, je vais à la fin et je fais P, voilà. Il faut que je m'y fasse tous ces raccourcis. Bim. Ok, là, je peux enlever ça. Paf. Et la vie est belle. Je peux enlever ça aussi. Ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. La coquille de l'app. Ouais, un peu, ouais. Coucou. Salut, TerminaBlocks HD. T'en préfères un layout route avec React Router 6? Ouais, peut-être. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est intéressant? Peut-être. C'est une app ou un site web? C'est une application. Donc là, logiquement, ça n'a rien changé ici. Hein, logiquement, hein, voilà, ça s'affiche pareil. Sauf que maintenant, je vais pouvoir gérer ça ici. Ok. Donc là, le children, déjà, ce que je sais, c'est que je vais le mettre dans mon composant qui s'appelle main. Ça s'appelle max width wrapper. Boom. Ok. Donc on va l'importer. Et là, à nouveau, je vais faire un V dollar D. Là, je fais shift A. Caps lock P quoi. Alors je pense qu'il y a plus optimisé. C'est pas censé copier-coller la ligne du dessous dans Vim. Comment ça? Pas forcément. Tu utiliseras Electron? Non, alors non, c'est une application web. Voilà. Alors oui, c'est pas une app native qui va tourner sur ta machine, ça va être un site web. Du coup, pour répondre plus correctement à ta question. Voilà, donc là ça me l'a centré. Nickel. Paf, ça me l'a mis dans mon max width component qui me permet d'avoir un truc centré. Ici, j'ai le header, le sidebar et je vais tout de suite me faire le footer histoire qu'on ait l'entier du truc. .tsx, ici enfin export function footer. Paf, et on va return le tag footer pour le moment vide. Ok, donc là je vais afficher mon footer et là on va pouvoir styliser tout ça avec une belle grid. P, ça colle ce que tu as copié sur la ligne en dessous du curseur. Non, non, ça colle en dessous si tu copies une ligne. Là, si je yank cette ligne, je la paste, c'est parce que c'est la ligne entière. Mais si je yield, genre si je sélectionne, tu vois, le mot là et je fais un yank, si je le paste, ça le paste à droite du curseur. Ça, c'est un petit truc que j'ai un peu de peine, c'est que si tu as en mode édition, ça te le met l'édition à gauche du curseur, ok. Par contre, si tu fais en mode paste, ça te le paste à droite, voilà. C'est le truc, il faut juste que je me souvienne. P colle à partir de ton curseur. Ouais. Si tu copies une ligne, ça te la fout en dessous, mais sinon c'est à droite du curseur. En majuscule. Shift. Si tu fais Shift P, ça te colle en dessus, non? Enfin, ça te fait l'inverse. Voilà, là ça te colle à gauche, et si je copie la ligne, Shift P, ça me colle en dessus. C'est ça que tu veux dire. C'est comme le O fait la ligne en dessous, et si je fais Shift O, ça me fait la ligne en dessus. Ça, ouais, ça c'est clair dans ma tête. Alors, ici, je vais me faire un petit composant que je vais appeler shell wrapper et qui sera du coup une div, styled.div. Voilà. Alors, ça, je vais le faire monter. Ça, je le fais monter. Ça, je peux laisser comme ça. Et styled, on va bien évidemment l'importer depuis style component. Ok. Avançons. Salut Aboud Bakar. C'est ce qu'on fait. On avance. On fait le styling là. On avance. Ne vous inquiétez pas. Display grid. Display grid. Ok. Et du coup, on réfléchit. Donc j'aurais. Alors là, je me souviens jamais. Attendez, je vais. Qu'est-ce qu'on avait fait dernière fois en live où j'avais utilisé les grids? Ah oui, c'était le Deezer. Attendez, on va voir le code de mon Deezer live. Je me souviens jamais des propriétés utilisées. App, Deezer Front, SRC, composant, c'est lié au application.vue. Voilà, c'est là. Et c'est Grid Template Area que je vais utiliser. Donc ici, Grid Template Area. Et donc, on va avoir un header, suivi dans aside main, suivi dans footer. Grid template area pré-shot. Oh là, t'es trop fort. Yes. Ok. Et du coup, ici... Ah,
Je viens de me défoncer le coude. Et du coup, ici, est-ce que je peux, vous pensez, faire ça? On va tout de suite le voir. Si là, je mets header. Et est-ce que là, je peux lui dire, du coup, c'est quoi? C'est grid area. Je peux lui dire en grid area de header. Je crois que je vais le mettre en toutes lettres comme ça. Est-ce que ça marche, ça? On va voir. Alors, bien évidemment, il faut peut-être qu'il y ait du contenu après dans mes autres composants pour tester. Donc là, mon header... Alors déjà, est-ce qu'il faut... moi, ce qui m'intrigue déjà, c'est que mon header n'a pas de classe. Parce que je n'ai pas utilisé le shell wrapper, bien évidemment. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on peut voir déjà qu'on a un bug. Header, header, aside min, footer, footer. Intéressant. Et le header, du coup, non, je peux pas le définir comme ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est ici le mettre en header comme ça. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est propre ou pas de le faire comme ça. Puis ici, on va avoir le aside qui va avoir la grid area de aside. Alors, je pense qu'il y aura plus propre à faire. Hein. Je suis pas un expert non plus là-dedans en CSS. Le footer. Il va avoir le grid area en footer et le main. Ok, le main ça va être ça. Donc ici, je vais faire un nouveau style component const main styled de ça. Ok, et lui il va être du coup. Enfin, non. Il faut que je fasse le main. Ah non, je peux faire ça comme ça et là je peux le mettre en as main, voilà, et lui il va avoir un grid area de main, voilà, et voilà, je crois qu'on est bon là, on va vérifier. Donc ici j'ai bien header, aside, main, footer et c'est de toute beauté. C'est plus pour coller la ligne du dessous. C'est plus pour coller à la ligne. Est-ce que tu as parlé beaucoup de délai sur le stream? Put the text from register X after line. This always works line-wise. This command can be used to yank a block as null. Je sais pas. Je suis pas un expert de vie. Maintenant, il faut qu'on définisse du coup la taille. Donc on fait un grid. Template colon. Et du coup on aura une colonne qui sera de 300 pixels puis de un fragment. Ok, on va voir si c'est trop grand ou pas assez grand. Et ici, et c'est quand même génial hein, ces API, je suis chaque fois je trouve ça extraordinaire ces API. Et ici on aura du coup le header qui est de 50 pixels je crois, un fragment et 50 pixels. Voilà, et normalement ça m'a tout fait correctement, le footer et tout ça, oh, c'est magistral. Ce qui manque encore par contre, c'est lui dire que c'est une height de 1VH ici, donc là ça va être une height de 1VH, 100VH pardon, parce que 1VH c'est un peu petit. Et du coup là on a le footer qui est bien en bas de la page, le main qui prend bien le fragment qui reste, et le aside qui est bien à gauche, et le header qui est bien là-haut. Ok, donc le header il est déjà plus grand que prévu, alors je vais voir ici, comment je lui ai dit le header qu'il devait prendre. Je ne vais pas préciser de taille, mais c'est plus grand que ce que je l'ai mis. Donc on va mettre 70 ici. 70, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est toujours pas la bonne taille. Alors on va faire plutôt un min. Oula, un. C'est quoi? Max content. Voilà. Voilà. Là on est bon, nickel. U c'est undo. Oui, ça peut être PU. C'est pu. Pourquoi la ligne du tout? Ah ok, j'ai bien compris. Non, derrière c'est le temps de demander à un Vimeur. Tout dépend si tu as un saut de ligne ou pas dans ce que tu as sélectionné. Ouais. Bah, c'est la doc de Vim. Écoutez, je vous laisse débattre dans le chat. En attendant, on va avancer si ça vous dérange pas dans notre projet. Ok. Donc on a le shell, on va faire la sidebar. Donc là on aura une nav dedans avec en lien, on revient là, il y aura swap,
Alors je sais que je dois utiliser des routeurs Link, mais on va attendre hein, en lien avec un Earn et en lien ici avec un Trees. J'ai mis un 2 points avant. Tout s'explique. Qu'est-ce qu'il me râle dessus ? Nav. Ah non, là il m'a mis en E. Voilà, swap on trees. Ok, donc on est parti, on va styliser ça. Et je vais récupérer aussi les images. Alors attendez, c'est un rond, ça et les trees. Donc attendez, j'ai les icônes ici. J'ai. Ça doit être ça. Hop, et on va les mettre dans icône ici. Voilà, donc là on va faire un shift F6. Ça va être earn. C'est combien de temps qu'on stream ici? Ok, bientôt 2 heures. On va pas faire trop long hein, ce soir. C'est mon dernier stream de l'année, je pense. En tout cas avant Noël. On va pas faire extrêmement long. Parce que je suis déjà fatigué. Que je suis en vacances. Et tout simplement que j'ai envie de jouer un peu à des jeux vidéo ludiques ou pas. Et regarder des séries, genre la fin de Arcane que j'ai toujours pas vu. Ou genre la saison 2 de Witcher. Du coup, je ferai pas extrêmement long. Merci beaucoup Just Nob pour le follow. Ça fait toujours plaisir. Ok, je copie ça. Et je le paste ici. On est bon. Ici, paf, paf, paf. Paf, paf. Et celui-là. Oups, j'ai oublié. Voilà, tac, tac, tac. Paste. Paf, paf. Et P. La vie est belle. Alors là, on va aller importer les icônes. Donc là, je vais faire merci beaucoup, Levi 280. /80 pour les Suisses. Merci pour le follow. Ici, je vais faire une petite icône qui va être en style de .img. Ok. Et en gros, je vais dire que la high va être de 20 pixels pour le moment. Ok. Donc là, on va y mettre un icône là-dedans. Donc là, j'aurai un icône. Paf. Avec un alt vide. Ici en alt vide et ici on aura un src qui sera un slash icône slash swap.svg. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un crash. Style is not defined. Ah, add import. Voilà, la vie est belle. F5. Et on a notre petit swap qui est beaucoup trop petit. Oula, je suis en train de tout ouvrir là. Tac, tac. Tu vas jouer à Vim du coup. Exactement, je vais jouer à... Tu es proche de finir là? Pas du tout. De nada. On va essayer de 35. Voir la taille, sinon je vais aller voir sur la maquette. Ok, on va aller voir sur la maquette. La taille du bloc complet. Donc moi, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, c'est ce rond là. Il est en taille. Je vois où la taille là. J'aime pas ces logiciels là, qui sont pas faits pour faire ça. C'est où? Pourquoi j'ai pas la taille en bas là? Une curved. Ok, bon, attends, je vais prendre le cône. Ah, mais tout a été split. Alors, on delete le background là. Ça fait 44 pixels, donc on va mettre ici 45. Et ça devrait être un peu mieux. Ok, nickel. Positif Vim du soir YI pour copier le contenu de ce qui est entre parenthèses. Ouais, non, ça je connais. Alors en fait, Vim, vu que c'est un langage, je connais tous les inside ou les, enfin les i, les t. Ça c'est bon, ça je maîtrise. Voilà. Donc par exemple là, si je veux sélectionner ici jusqu'au E majuscule, je fais VT E majuscule et c'est bon, ça me sélectionne avec le
Voilà, ça c'est bon, ça c'est maîtrisé. Si je changeais inner tag, je fais C. Ici là, je suis n'importe où, je veux changer le earn, je fais C, change, I, inner, T, tag, pouf, et ça me change le contenu du tag. Si je veux le delete, c'est D, I, T, c'est bon, ça c'est bon. Et si je veux le modifier, le sélectionner, je fais V, I, T, et ça c'est bon, ça va, c'est bon, c'est maîtrisé. C'est au moins ça. C'est pas magique ça. Non, c'est pas magique. J'ai pas dit que c'était magique. J'ai dit que c'était maîtrisé. Ça c'est bon, ça passe. C'est les raccourcis que j'utilise le plus d'ailleurs. C'est pour ça que je les connais le mieux. J'essaie de plus en plus de faire genre depuis ici, je veux delete jusqu'à la fin de la ligne. C'est D et dollar. Voilà. Dollar, c'est pour la fin de la ligne. Donc, si je veux, voilà. Si je voulais delete jusqu'au prochain par exemple, href et tout, je fais comme ça. Voilà, et c'est bon. Ok, nice. Je voulais dire, c'est pas beau ça. Ah oui. Ah, moi j'adore. Hein. Ah, j'adore. Vive. Slash icons slash earn.svg. Voilà, en voyant que ça, je vais aller changer ici le contenu. Je vais repaste ça. Voilà, parce que ça va pas aller. Et là, je vais le paste au-dessus. La vie est belle. Ça, on va changer le terme. Et c'est trees. Nickel, Chrome. Tu utilises Vim pour tout? NVim. Yes. Ok, donc là on a nos icônes, les trois icônes qui sont mis. On voit pas très bien, mais il y a un petit rond blanc autour. Je suis sûr que si je le mets sur mon deuxième écran, on le voit beaucoup mieux. Ouais, clairement, c'est mon écran là qui explose l'affichage. En fait, Vim, c'est un langage. Donc vous avez des mots-clés, une action, V, sélectionner. D, delete, C, changer, etc., etc. Ok. Et après, vous avez des modifiers à ajouter. Donc, par exemple, là, si vous voulez delete ce mot, vous faites D, et après, vous faites inner, I, world, V. Ok. Si vous voulez supprimer depuis où vous êtes, vous faites D, delete, world, et ça vous supprime depuis où vous êtes sans supprimer le début. Et pareil, du coup, si vous êtes ici, vous voulez changer le contenu de ça, vous faites C, change, inner, et c'est à l'intérieur de quoi? C'est à l'intérieur des quotes. Donc là, je fais quotes et ça va me changer du coup le contenu à l'intérieur des quotes. Ok? Et du coup, bah, en fait, si, la différence entre le delete ici, c'est que le delete, je reste dans mode normal ici, là, vous voyez. Je suis pas en mode d'édition, je peux pas taper. Tandis que quand je fais le changement, je suis en mode d'édition, je peux taper. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vraiment un langage comme ça à apprendre. Là, par exemple, si je veux tout supprimer jusqu'au bracket fermante ici, ou tout sélectionner, je fais un V, sélectionner, T pour le until, et je mets le caractère que je cherche, paf, et ça me sélectionne tout le contenu. Et là, je fais un delete et ça me le delete, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un langage, en fait, à apprendre. Et une fois que vous connaissez le langage, vous pouvez aller très vite un peu partout, quoi. Par exemple, là, je veux splitter, je split avec shift, tac, comme ça, et après, je vais passer dans l'autre. Là, je passe, vous voyez? Je passe gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tac, 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 je suis là, je fais mon truc, je repasse là, je sélectionne, tac, 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 etc., etc. Et c'est vraiment un langage à apprendre. Et après, ben, vous pouvez faire beaucoup plus de trucs avec le clavier que... en fait, c'est juste l'histoire des modes, d'avoir des différents modes. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Là, si je suis pas en plat dedans, je veux tout supprimer ce qu'il y a à l'intérieur, je fais ça et ça me délète tout, vous voyez. Et c'est un langage à apprendre qui est assez simple au final. Et après, bah, vous n'avez plus vraiment besoin de prendre la souris pour sélectionner. Voilà, je veux changer ça, je sélectionne. Non, je suis là-dedans, je fais ça et je le change, quoi. C'est vraiment rapide. Je mets jamais mes navs en UL et LI. Bah, si, des fois, ça m'arrive, ouais. Mais là, j'en vois pas l'utilité pour le moment. Je commence à plutôt bien me débrouiller. Ça a pris du temps car il y en a pas mal que j'utilisais pas de base. Mais là, ça commence à avoir le valeur des points, ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est quand vous voulez apprendre, par exemple, à utiliser Vim ou autre, ou même n'importe quelle IDE, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire un truc qu'il faut se dire, ok, je prends ma souris et je le fais. Par exemple, là, je dis, j'ai envie de tout supprimer jusqu'à la fin de la ligne. Je vais pas, je sais pas comment faire, je prends et je le fais. Non, vous allez voir sur internet et vous allez apprendre qu'il faut faire simplement avec un dollar. Donc, vous faites des dollars et après, vous allez l'apprendre, etc., etc. Et si vous avez un truc, vous espérez que ça fonctionne d'une certaine manière, bah, vous n'hésitez pas à aller changer les raccourcis, remapper les touches, etc., quoi. VIP, ça fait quoi? VIP. Ah, ça sélectionne tout le bloc. Moi j'ai aussi genre contrôle. Non, c'est pas ça. C'est. Si, si. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est leader. Euh.
J'ai ça pour sauter entre les méthodes là. Bref. Le bloc en gros, ouais. Le 0 aussi de Envy est toujours en bêta. Ouais. Paragraphe. Ah, paragraphe. Et du coup, c'est vraiment cool quoi. Pour ceux qui ont envie d'essayer un peu Vim. Après, je trouve que sur IDEA, le plugin est très. Sur Sublime Text, il vous permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il va pas vous empêcher à sélectionner un truc et faire CTRL-C ou faire un delete, etc. etc. Okay. Dans IDEA, vous pouvez plus faire la plupart des trucs que vous faites de base. Il faut aller reset-up pas mal de trucs. Faut pas que ça vous saute au visage quoi. Ok. Et le meilleur conseil que je peux vous demander, je peux vous conseiller, c'est le caps lock là, cette touche qui est ici là. Oh, le truc est flou hein. Mais le caps lock là, vous le remappez en escape quand vous faites un clic comme ça, et quand vous laissez appuyer, vous le remappez en contrôle. Ça va vous changer la vie. Voilà. C'était les astuces de trucs Mushromanids. Tac tac. Ok, du coup on reparle. Ah oui, il y a aussi un truc que moi j'aime beaucoup avec les mods, c'est par exemple le tab, vous voyez. Le tab normalement il est là pour indenter. Donc si je passe en mode édition ici et que je fais tab, ça indente. Mais dès que je suis plus en mode édition, le tab il me swap, vous voyez, ou le shift tab il me swap dans mes vrais tabs de visual de l'IDE. Et c'est le fait d'avoir des mods qui vous permettent de réutiliser des touches que vous utilisez déjà en fait, et c'est juste trop bien quoi. Ça change la vie, voilà. Alors après, je vous conseille pas d'utiliser que Vim ou que Envim, mais plutôt d'utiliser les deux. Caps lock, je l'ai mappé sur escape. Ouais, ouais. Franchement, voilà. C'était... Voilà, alors, const, ici, navigation, ça va être un styled de nav, tac, qu'on va tout de suite aller utiliser. Alors moi, par exemple, là, je m'empêche pas de prendre la souris, cliquer, CTRL-C, CTRL-V, etc. Ouais, il faut pas vous empêcher de faire des trucs. Toujours le principe. Même si on préfère un replay, c'est avec un slash blablabla. Pardon. Hein? Etc. Et ça. Comme ça, partout dans l'OS, j'ai les flèches sur Agicale. Pas bête. Ok, là, on va faire un petit display flex. Histoire de les aligner. Voilà. Sauf que c'est un flex colonne ici qu'on veut. Flex direction colonne. Pouf! Que si je regarde le design, ça va très bien se passer. Nickel. Les links ici, ça va être du coup des links. Du coup, je vais faire un composant const link égale un styled de link. Et là, ça va pas fonctionner normalement. Du coup, là, je vais mettre un S dedans. Comme ça, là, il va permettre de l'importer normalement. Voilà, je l'importe ici. Ça, je vais le renommer ici as react link. Et ici, je vais renommer ça en React Link. On revient là. Ça, on enlève. On repart là. Paf. Et ici, on va pouvoir l'utiliser déjà un peu partout. Hein. Là. Là. Tac. Et ici aussi. La vie est belle. Et du coup, là, je crois que c'est un tout maintenant. Tout et tout. Voilà. Ok, là ça va être un display ici en flex. Voilà, avec un align items center ici, avec un over un text decoration none. Quel ici la couleur ça va être inherit. Voilà, nickel. Et sur la maquette c'est un bold. Hein. Mirad Pro régulier, non, c'est du régulier. Par contre, c'est en 23. Merci beaucoup, Akirox, pour le follow, ça fait plaisir. Donc, c'est un font size 23. Est-ce que j'ai copié mes font size? On va aller voir ça. Global style. Non, j'ai pas copié les font styles. Faudrait que je le fasse. Je le ferai en hors live. Je vais mettre 23 pixels pour le moment. Ni. Alors par contre la couleur ça va pas être inherit, ça va être le dark. Non, vous savez quoi, je vais laisser le inherit et je vais faire que quand on l'over ici ou qu'on le focus, bien évidemment ça va pas oublier, le color va se changer en var dark green. What? Ah bah non.
que le texte a déjà une couleur. Ok, donc là, quand le hover, alors il y a beaucoup de gens qui le savent pas, on va faire un text decoration et on va faire un revert. Vous connaissez cet attribut ? Nickel. Ok, là, on va faire un petit gap ici. Gap var space 4. Nickel. On va faire un petit padding left, je pense, si vous voulez mon avis, sur le aside. Donc là, je vais marquer sidebar wrapper styled aside. Tac. On va l'utiliser sans le T ici. Paf. Et ici, on va faire un petit padding inline de var space 4. Cool. Ça me semble pas mal, hein. Par rapport à la maquette, le logo, je vais quand même le mettre peut-être en 50 ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien aussi. Là, je vais faire un inline flex. Et je vais faire un petit gap aussi var space 3. Space 2. Ok, c'est pas mal. Ici, je vais faire peut-être un margin top, var, ça va être de space 4 aussi, nickel. Tu mets toujours ton CSS dans l'ordre alphabétique, je préfère, ouais. Là, il est, là, c'est pas le cas, là, parce que j'ai pas mon raccourci sur VS Code pour le sur VS Code, j'ai un raccourci pour me l'ordonner, je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé sur PHP Storm, donc pour le moment, je le fais à la YOLO, mais oui, je le fais toujours, ouais. Mais oui, je le fais normalement par ordre alphabétique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors après, moi j'aimais bien classifier par contexte. Initialement, vous savez, les couleurs ensemble, les paddings ensemble, les margins ensemble, les trucs ensemble, etc. etc. Mais au final, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il n'y a rien en fait ? Enfin, c'est dans ta tête cette catégorisation, tu vois. Mais je suis d'accord que je trouve joli d'avoir le left, bottom, right, etc. Tout au même endroit. Hein. Au lieu de les avoir dispatchés. Mais au final. Quand tu es dans une équipe, en fait, ces contextes-là, il faut les décrire, il faut les documenter, etc. Tandis que l'ordre alphabétique, il n'y a personne qui peut être contre, enfin, qui ne le comprend pas, tu vois. Si tu cherches ta propriété top, tu sais qu'elle sera vers le bas sur le T, tu vois. Si tu vois en G, tu sais que c'est un peu plus bas pour les longues classes, enfin, les longs CSS. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus simple. Après, bah, bien évidemment, ça, c'est... Voilà, c'est mon opinion, quoi. Ok, donc là, on a ça qui fonctionne, c'est magnifique. Maintenant, il faut qu'on fasse le contenu, mais avant tout ça, on va faire un petit commit. Donc, on va commit ça. Alors, on n'a pas fait le footer, hein. Ça, on s'en occupera par la suite, c'est pas très, très important. Du coup, là, je vais faire delete jusqu'à la fin de la ligne, donc D. Enfin, je vais même faire un changement, donc C, fin de la ligne. Ça me permet de rentrer en édition là-dessus. Et là, je vais faire donc fit. Alors, je vais mettre un petit scope. Je vais marquer layout. Je vais marquer shell. Je vais marquer define the shell and start styling it. Voilà. On commit. Sous Chrome, j'ai découvert un truc. Si ça t'intéresse et si je ne connais pas aussi, bah, je peux pas te dire si je connais et si ça m'intéresse si je sais pas ce que c'est. C'est toujours le même principe, hein. Si on me dit pas ce que c'est, moi je peux pas dire. Suspense. Ah, j'attends, voilà. J'attends. Color Picker. Oh, insane. Moi, j'ai celui de Windows. Hein. Je vais intégrer à Windows, là. Dans l'inspecteur, au niveau des styles. Bon, généralement, j'utilise pas Chrome, hein, aussi. Hein. C'est un truc à savoir. Hein. J'utilise pas Chrome. D'habitude, j'utilise Firefox, qui pour moi est les dev tools sont beaucoup mieux sur Firefox, je trouve. T'as un bouton rectangle et flèche.
tu me parles pas de ça. Au niveau des styles. Non, tu me parles pas de ça. Ça. Attends. Menu élément. Ouais. Attends, je ferme la console là. Oui, ça. 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 Comme ça, c'est les styles Computad, ça. C'est, si tu vas dans Computad, ils sont là. C'est ça. Non. Et TCIC Group. J'ai pas compris. Tic. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, mais là, ça pourrait donner le contexte, par exemple. Layout, texte et apparence. Donc, si y a un plugin qui me les ordonne comme ça, moi, je dis pas non. Moi, mon but, en fait, c'est que ça soit automatisable. L'ordre alphabétique, c'est facilement automatisable dans tous les IDE du monde, quoi. Mais merci, je connaissais pas du tout. Merci pour la découverte. Un plugin serait bien chouette, effectivement. Ouais, mais en fait, c'est pas qu'il faut un plugin, il faut un plugin qui fonctionne sur tous les IDE, parce que tu veux pas forcer quelqu'un à utiliser Sublime Text, PHP Storm, WebStorm, VS Code, Atom, TextEdit, ou j'en sais rien, tu vois, tu peux pas forcer les gens à utiliser en IDE, en éditeur de texte. Donc, moi, l'ordre alphabétique, c'est très simple, tous les éditeurs de texte supportent, t'as pas besoin de se casser la tête, surtout sur... Enfin voilà, les gens ils ont tendance à toujours donner à prêcher les idées de JetBrains, mais il faut vous rendre compte d'un truc, c'est que c'est la pure merde au niveau des plugins, hein, les idées de JetBrains, c'est vraiment la merde. Pourquoi ? Bah parce que c'est fait en Java, donc tous les autres idées ils suivent une même logique et ça fonctionne très très bien. Hein. Par exemple sur Sublime Text, vous pouvez installer des extensions VS Code, sur Atom vous pouvez installer des extensions VS Code. Tout tourne un peu autour du langage serveur que Microsoft a créé et des différents fichiers qui sont par exemple pour les thèmes qui sont utilisables partout. Mais VS Code, PHP Store, enfin JetBrains a fait tout différemment du reste. Et du coup, si vous voulez créer un plugin, même si c'est juste pour ordonner les classes, et eh ben vous devez vous taper du Java si vous voulez faire un bundle qui vous dit qui vous gère des nouveaux langages, vous devez le faire en Java, voilà, et c'est tout en Java, voilà, gérer les icônes ici, j'ai essayé, hein, pour par exemple les points Edge, ils étaient en icône E pour le Edge, vous devez le faire en Java, voilà, et du coup, le problème de ça, ben, c'est qu'il n'y a que JetBrains presque qui écrit des plugins, au final, parce que ben, c'est la merde d'écrire des plugins. Alors que quand tu vois du coup par exemple Vue, React et tout ça, eux c'est toujours on point sur VS Code, c'est toujours au top level leur plugin parce que c'est eux-mêmes qui les écrivent, parce que c'est simple. Et bah, JetBrains essaye de rattraper un peu le coup avec leur plugin écrit eux-mêmes. Et c'est vraiment la merde, c'est pour ça par exemple que sur Vue, le plugin Vue, pour celui qui supporte Vue 3, est en retard de plus d'une année. Bah, parce que bah, c'est JetBrains qui le code et personne ne va le faire à leur place vu que c'est du Java et que les gens ils aiment pas ça quoi. Techniquement, JetBrains avait leur suite avant VS Code. Ouais, mais VS Code, ils ont créé un standard. Enfin, Microsoft a créé un standard. Il y a le standard qui s'appelle TextMate. Et c'est pas Microsoft qui l'a créé, pardon. Ce standard, TextMate, ça existe depuis Perpète les Mouettes. Et ce standard-là est respecté par Sublime Text, par Atom, par VS Code, etc. Mais JetBrains, eux, ils ont voulu faire différent de tout le monde. Et du coup, il y a que eux qui peuvent vraiment écrire des bons plugins. Hein. La doc, elle est nulle à chier, j'ai essayé de la lire. Et c'est triste, hein, parce que c'est un bon outil, mais ils sont enfermés dans ce système, et du coup, bah, c'est pour ça que les gens n'écrivent pas des plugins pour JetBrains, en fait, parce que c'est horrible. C'est dommage, hein. Mais voilà, quoi. Et du coup, bah, JetBrains est en retard sur pas mal de plugins, malheureusement, notamment Vue, en tout cas. Mais par contre, ils ont créé un plugin pour charger les systèmes de fichiers, enfin, les templates... un language server TextMate. Ils ont créé un plugin pour aller chercher du TextMate. Du coup, par exemple, Edge, il peut être supporté par PHP Storm, WebStorm ou autre. Si vous installez le plugin TextMate et que vous allez chercher du coup la définition TextMate qui marche dans Sublime Text, VS Code et tout ça, mais vous pouvez la charger maintenant dans PHP Storm. Merci à eux, ils ont fait une extension pour le faire quoi.
Un peu comme Firefox à l'époque, il n'y avait pas la même manière de faire leur extension. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà. Maintenant, les extensions, il y a l'extension API qui a été standardisée et tout le monde essaie de se mettre un peu dessus. Donc, vous écrivez un code pour tout le monde, pour tous les navigateurs au niveau extension. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et c'est chiant. Quoi. Vous devez vraiment build pour chaque plateforme. Quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Bref, allez, continuons. Donc là, on a le swap, le earn, le trees et on a commit. Ouais, on a commit. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les pages. Donc on va commencer par la première page, qui est la page de swap, qui sera la home page, je pense. Après, on aura le dashboard. Le dashboard sera la home page, mais pour moi, ce sera juste le swap. Donc ici, j'ai fait on va renommer ça swap. Ok, on va refactoriser ça partout. Ça me l'a changé ici, mais pas le nom, on va savoir pourquoi. Hein. Donc là, c'est swap, swap, swap. Et ici, ça m'a changé ça à swap. Ok, on va savoir pourquoi le nom n'a pas changé. Donc là, c'est l'index page, swap. Et alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai vu dans la doc, il le faisait. Ici, donc mon but, c'est que le path, si on est sur slash swap aussi, et ben on est l'élément swap. Merci Yasmine, Yas, pour le follow. Swap comme ça aussi chargé. Alors non, au niveau SEO, ça c'est de la merde, mais on s'en bat les reins dans notre cas. Ok, donc là homepage, ça sera le swap, et quand on cliquera sur swap, ça va juste mettre slash swap en haut, mais on s'en fout du reste. Donc là, on va faire paf, paf, paf. Ici, slash swap, comme cela. Ici, ça va être un slash slash liquidity earn. C'est très bien comme nom, earn. Et là, ça va être slash trees. Ok. Donc là, je clique, ça va afficher la même chose. Et là, c'est des 400. 404. Cool. Ok, donc ça, on est bon. Et du coup, dans la page swap, on va s'arrêter là. On va pas faire ça maintenant en live. Ok. Donc, c'est possible que... C'est possible. Ok, j'ai dit que c'était le dernier stream de l'année. Hein. C'est possible que demain, dans la journée, je lance en live. Possible que le matin ou l'après-midi, j'ai congé demain, donc c'est possible que je lance un live où on va avancer du coup pour finir l'application. Mon but, c'est qu'elle sorte le plus rapidement possible, si possible avant les fêtes, avant le 25. Donc c'est possible que demain on travaille dessus aussi et que je lance un live du coup où on travaille dessus. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ça fait déjà 2 heures et j'ai envie de faire d'autres choses avant de dormir. Voilà, ce serait top. Ouais. Yes, donc demain, certainement en live dans la journée, pas le soir. Le soir, je serai certainement pas en live, si vous voulez mon avis. Enfin, je dis ça et demain soir, je vais être en live. Tu devs la dev en live ou tu l'as déjà dev et tu la refais? Je la dev en live, là. Là, j'ai rien prévu, je fais tout en live. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à tous, une bonne nuit à tous. On se retrouve demain dans la journée. Je sais pas encore quand, matin, après-midi. Peut-être le soir, je suis pas sûr. Bonne soirée à tous, ça m'a fait plaisir. Vous avez été énormément de followers. Et demain, on passe les 1000. Demain, on passe les 1000. Regardez en haut là, 932. Demain, on passe les 1000. Et si j'ai 20 subs en plus, merci, oui, 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 oui. Oui, 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 pour le follow. Si j'ai 20 subs en plus, on passe les 100 subs aussi. Ça, c'est magistral. Mais je vous demande pas de subs, ça coûte de l'argent. En follow, ça coûte rien du tout. Merci, bonne soirée, salut à toi Bronicles, d'ailleurs première fois sur le chat, bienvenue et au revoir en même temps. Merci à tous, en tout cas c'est un plaisir. On se retrouve demain et aussi n'oubliez pas, c'est une app open source, donc n'hésitez pas, alors c'est pas encore open source, ça le sera plus tard dans la soirée ou demain matin, en open source, donc je posterai le lien si ça vous intéresse d'aller jeter un œil au code, bien évidemment, avec grand plaisir. Il faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Vous vous souvenez quand il s'appelait déjà Ninja a dit sur le live de Gotaga, allez acheter, donnez des subs, et là pff, il a eu 10 000 prime. C'était extraordinaire. Bref, sur ce, moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vais monter la musique, fade out ma voix, vous mettre un écran de fin et vous dire au revoir à tous. Bonne nuit.